Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous et bienvenue au premier plateforme meet-up Facebook ici à Paris. Je suis ravi, très très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de passer cette matinée en votre compagnie. J'ai la chance de connaître déjà certains d'entre vous et je suis très content de rencontrer tous les autres ce matin. Je suis Alexandre Croiseau, je travaille chez Facebook au sein de l'équipe Platform Partnerships. Et ce matin, on va donc passer quelques heures ensemble pour parler des produits de la plateforme Facebook et pour également aborder les programmes à destination des développeurs qu'on a lancés au cours de ces dernières années. Avec moi ce matin, pas mal de personnes de chez Facebook qui sont venues d'un peu partout dans le monde, d'assez loin pour certains, pour également passer cette matinée en votre compagnie. Des spécialistes produits qui aborderont donc ces différentes thématiques produits et programme. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais d'abord faire un petit flashback 10 ans en arrière. Ça ne nous rajeunit pas, mais en 2007, il y avait sur Facebook 24 millions d'utilisateurs. Et la mission de Facebook, c'était déjà, comme ça l'est aujourd'hui, de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Et évidemment, cette mission, c'est un immense challenge. Cette mission, elle ne peut être un succès que grâce à vous, développeurs, start-up, entreprises, qui créent des services et des expériences qui font en sorte que le monde est plus connecté. Et en 2007, on a lancé donc la plateforme Facebook, les premières API, les premiers plugins qui vous ont permis de connecter vos services à l'univers Facebook. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 2 milliards de personnes se connectent chaque mois sur Facebook. Et ce sont ces 2 milliards de personnes associées à vos services et à vos produits qui font la pertinence de la plateforme Facebook. Aujourd'hui, les produits qui sont disponibles sur la plateforme Facebook vous permettent d'adresser toutes les étapes du parcours utilisateur. Et si on y va step by step, la première étape, c'est évidemment le premier point de contact avec vos utilisateurs et le produit qui est probablement le produit le plus connu de la plateforme Facebook, c'est Facebook Login associé à AccountKit qui permet à vos utilisateurs de facilement créer un compte, de facilement se connecter à votre service grâce à Facebook Login. Aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup de cette fonctionnalité-là parce que c'est une chose qui est assez connue. On aura le temps, évidemment, pendant les office hours, après les différentes sessions, d'en discuter si vous le souhaitez. Mais on a plein plein de choses à aborder aujourd'hui, donc je voulais qu'on se concentre sur les autres parties du parcours utilisateur. Évidemment, ce qui est très important pour vous et votre business, c'est de faire croître votre base d'utilisateurs, de faire en sorte que plus de monde utilise votre service, votre produit. Et la plateforme Facebook, elle permet ça au travers de la viralité, le fait de partager du contenu ou des choses qui sont propres à votre service auprès des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, et également des solutions publicitaires qui vous permettent d'aller targeter spécifiquement des audiences qui peuvent être intéressées par votre service et que vous pouvez onboarder sur votre application à vous. Aujourd'hui, on aura Amélie qui nous parlera de ces solutions publicitaires qui vient de Dublin pour vous exposer les différentes choses que vous pourrez faire grâce à la plateforme publicitaire. Évidemment, toutes ces personnes, tous ces utilisateurs que vous faites rentrer au sein de votre service, au sein de votre produit et de votre application, l'objectif, c'est de les engager, c'est de faire en sorte qu'ils soient sticky sur votre produit, qu'ils comprennent la valeur de votre produit et qu'ils soient de plus en plus engagés. On avait la chance la semaine dernière d'avoir David Marcus avec nous à Paris qui est venu annoncer la plateforme 2.2 sur Messenger avec plein de nouveautés. Et toute la plateforme Messenger, elle a pour but exactement cela, vous aider à créer de l'engagement auprès de vos utilisateurs sur votre service à vous grâce aux différentes API de la plateforme Messenger. Ziad, qui est avec nous aujourd'hui, qui vient de Dubaï et qui m'a dit juste avant qu'il était un peu stressé de faire cette présentation en français parce qu'il a plutôt l'habitude de parler en anglais. Donc je compte sur vous
pour participer et l'aider. Mais il viendra vous parler de toutes ces nouveautés de la plateforme Messenger. Il y en a plein, il y a plein de choses à dire et plein de choses à raconter. Cette audience que vous avez créée sur votre application, sur votre service, que vous avez réussi à engager, l'étape d'après, c'est évidemment la monétisation. Comment faire en sorte de faire du revenu au sein de votre service grâce à ses utilisateurs. Là aussi, la plateforme Facebook a des solutions à vous apporter, notamment avec Audience Network. Et on a Marc qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu de Londres pour vous parler spécifiquement de comment vous allez pouvoir intégrer des publicités au sein de votre application pour commencer à monétiser l'audience que vous avez créée. Et enfin, évidemment, tout ce parcours utilisateur, il peut être amélioré qu'en regardant de très près la performance et en regardant de très près la façon dont vous itérez sur chacune de ces étapes, ce qui permet d'avoir un service plus performant, plus engageant et qui vous permet de créer plus de revenus. On a un produit qui s'appelle Facebook Analytics qui permet exactement de faire ça et de suivre la performance de vos utilisateurs et de votre service à chaque étape, peu importe la surface que vous utilisez, peu importe le canal que vous utilisez, que ce soit votre page Facebook, votre application, votre site web, tout ça, vous pouvez aujourd'hui traquer ce qui se passe pour mieux comprendre le parcours utilisateur et ce que font les gens sur votre service. On a Mathias qui est venu du siège Facebook en Californie pour vous parler spécifiquement de Facebook Analytics et vous faire découvrir toutes les fonctionnalités. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de tous ces produits de la plateforme Facebook, mais au-delà des produits et des outils qui existent aujourd'hui, on va aussi aborder les programmes à destination des développeurs qu'on a lancés au cours de ces dernières années, très récemment, au cours de ces 18 derniers mois, avec trois initiatives principales. La première, qui est Developer Circles, qui a pour objectif d'identifier des leaders technologiques dans les régions et qui vont partager ces connaissances-là auprès des écosystèmes locaux. On parlera ensuite d'FB Start, qui est notre programme international, qui donne accès à des services spécifiques lorsque vous démarrez votre entreprise, votre start-up. Et enfin, on parlera également du Start-up Garage à Station F, qu'on a lancé il y a quelques mois. Et pour tous ces sujets, Caroline, qui dirige donc le Startup Garage à Paris, viendra et vous expliquera comment vous pouvez adhérer à tous ces programmes et comment vous pouvez participer à tous ces différents programmes. Et comme on est à Paris, on en a profité également pour faire venir Mustapha, qui fait partie de l'équipe FAIR, qui est Facebook Artificial Intelligence Research. Comme vous le savez, cette équipe chez Facebook est dirigée par Yann Lequin, qui est un Français, basé à New York, mais une large partie de cette équipe AI à Paris est située à Paris, en l'occurrence. Et donc, Mustapha viendra vous expliquer un petit peu quelles sont les problématiques sur lesquelles cette équipe d'intelligence artificielle Facebook travaille actuellement. Donc, voici tout le programme de la matinée. Il y a pas mal de choses qui vont être abordées. J'espère que vous avez un notebook et de quoi noter tout ce qui va vous être dit. Il va falloir digérer tout ça, mais plein d'informations super intéressantes pour vous, pour faire croître votre start-up et votre business. Et donc, je vais passer le micro à Amélie qui va commencer à vous parler des produits publicitaires Facebook. Merci à tous et à tout à l'heure. On se retrouve juste après toutes ces sessions en bas pour discuter en face à face. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Ravie d'être là également. Merci Alex pour l'introduction. Donc moi je suis Amélie de chez Fontaine. J'ai rejoint Facebook il y a une petite année. Je viens du monde fabuleux du digital. J'ai fait de la start-up, j'ai fait des agences search. Et aujourd'hui chez Facebook, je suis client partner, c'est-à-dire que je m'occupe d'un portefeuille de clients qui sont des start-up. C'est pour ça aussi que je suis là ce matin. Chez Facebook, je ne sais pas si vous le savez, très souvent on est en industrie. Donc, il y a tous les clients du Travel Ensemble, le e-commerce, etc., etc. Nous, on a fait un peu un côté matriciel pour les startups, ou en tout cas les jeunes entreprises, parce qu'on pense que deux startups, même pas dans la même industrie, vont avoir les mêmes besoins,
ou en tout cas plus de points en commun qu'une jeune entreprise versus une entreprise qui est là depuis 150 ans et qui est née offline, etc. etc. Aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de, via de la pub et sur Facebook, Instagram, Messenger, enfin, on pourra en discuter par la suite, c'est de réussir à atteindre les objectifs donc, de nos clients, qui sont très souvent, en tout cas pour les startups, un besoin de grossir rapidement, une forte agilité, des stratégies qui changent quand même assez souvent, et donc de pouvoir suivre ça et de vous accompagner au mieux. Pour faire ça, en fait, je vais essayer de vous présenter de façon assez simple comment est-ce qu'on peut gérer ces campagnes au mieux sur nos différentes plateformes et ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit le plus efficace possible. La première chose quand on veut créer ces campagnes sur nos différentes plateformes, ou en tout cas qu'on crée des campagnes marketing tout court, c'est d'être capable d'identifier un objectif. Quel est l'objectif de votre campagne? Pourquoi est-ce que vous créez ou vous avez besoin de campagnes marketing? Très souvent, quand on entend parler de Facebook, on pense aux likes, aux pages, aux fans, on a besoin d'avoir une grosse communauté. C'est vrai qu'en 2007, quand on était 24 millions d'utilisateurs, c'était ce qu'on pouvait faire sur Facebook, des fans. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Les fans, c'est toujours bien d'en avoir et c'est important parce que ça, vous allez pouvoir communiquer, vous avez une communauté, voir comment eux réagissent et du coup adapter vos campagnes. Seulement, aujourd'hui, votre objectif, en général, c'est de faire du revenu ou en tout cas de grossir. Si on n'est pas déjà dans un système de monétisation, le but final, c'est d'avoir du revenu. Et ça, qu'on fasse des campagnes de branding ou qu'on fasse des campagnes de conversion. Le but final, c'est d'avoir du revenu. Je ne connais pas une seule marque, même qui fait exclusivement de la télé, du branding et de l'image de marque, qui ne cherche pas à faire de la vente derrière. Et c'est un peu l'avantage qu'on va avoir sur les différentes plateformes de Facebook. Quand vous créez une campagne, on commence par vous dire quel est votre objectif. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais en tout cas, on va vous demander quel est votre objectif. Et en fait, peu importe votre objectif, notre algorithme va aller chercher les gens qui ont tendance à. Donc si vous avez un objectif de vidéo vue, il va aller chercher les gens qui ont tendance à regarder des vidéos. Si vous avez un objectif d'app install, vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance à installer des apps, etc. etc. C'est pour ça que c'est hyper important de délimiter quel est son objectif. C'est de commencer, en fait, de dire à l'algorithme, je ne cherche pas des cliqueurs, je ne cherche pas des likers, je ne cherche pas des gens qui share, je cherche des gens qui achètent, je cherche des gens qui installent, je cherche des gens qui s'inscrivent, je cherche des gens qui consomment. Et vous allez pouvoir voir que, par exemple, si vous avez une audience qui est la même, si vous mettez un objectif de clic ou un objectif de conversion, en fait, vous ne touchez pas les mêmes personnes. Il y a des cliqueurs fous, et il y a des gens qui ne cliquent pas, mais qui achètent. Et c'est hyper important de commencer par là. Une fois que vous avez défini votre objectif, le but est de savoir à qui vous vous adressez. Quelle est votre audience? En général, vous avez un peu une petite idée de qui, a priori, à qui je m'adresse. Même quand on a un objectif qui est super large, en fait, pourquoi c'est important de savoir à qui on s'adresse? C'est qu'on ne communique pas de la même façon à tout le monde. Les jeunes et les vieux n'ont pas la même façon de communiquer. Pardon, les vieux, les personnes mûres. Les femmes et les hommes n'ont pas forcément envie d'entendre les mêmes choses. Et c'est pas forcément les mêmes caractéristiques de votre produit ou même de votre marque qui vont les intéresser. Et donc du coup, ça va être un peu la magie de Facebook, c'est que comme on a des vrais profils avec des vrais gens, on va pouvoir avoir une communication qui est spécifique pour ces personnes-là. Les connus, en général, c'est la partie socio-démo ou même les intérêts. Donc, vous allez pouvoir définir en fait des clusters de personnes à cibler. En général, nous, on conseille d'avoir à peu près des audiences cibles autour de 1 million de personnes. C'est quand même suffisamment large. Vous allez du coup pouvoir avoir quand même pas mal de gens. Mais il y a également la possibilité d'utiliser des datas qui sont beaucoup plus proches des vôtres et donc d'aller chercher en fait les personnes qui sont venues sur votre site ou sur votre app, qui ont consommé des infos, qui ont déjà acheté, etc. Et une fois que vous avez également on va appeler ça une custom audience, vous allez pouvoir faire des look-alike et donc aller chercher des gens qui ont exactement le même comportement que ces personnes-là, ce qui va vous permettre de faire de la prospection avec des gens qui, du coup, sont très, très proches de votre cœur de cible. Et donc, normalement, c'est des gens qui vont avoir le plus tendance à être performants pour vous. Et c'est en liant, en fait, les deux types d'audience que vous allez pouvoir, un, faire de la prospection sur des gens froids, mais aussi assurer un revenu qui soit rentable avec des gens qui sont très proche de vos acheteurs préférés ou en tout cas de votre cible préférée. Donc là, aujourd'hui, on a un objectif. Maintenant, vous avez défini des audiences. Très souvent, vous en avez plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule. Derrière, il va savoir qu'est-ce qu'on leur dit. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne parle pas de la même façon à tout le monde. En général, il y a,
on va avoir des facteurs clés de succès qui vont être différents d'une audience à une autre. Là, on va beaucoup l'entendre et vous êtes très conscient. La vie aujourd'hui est mobile, on se sert de notre téléphone pour tout. Les gens mangent avec leur téléphone, ils se rencontrent sur téléphone, ils font du shopping sur téléphone. En réunion, s'il y a un petit moment un petit peu douteux, en général, clac, on est sur notre téléphone, on passe notre vie sur notre téléphone. Et sauf que la façon de communiquer sur son téléphone, évidemment, elle est très très différente de la façon dont on communique en offline ou même de la façon dont on communique sur desktop. On va plus vite, l'écran est plus petit, très souvent il n'y a pas le son. Le multitasking est quelque chose qui, aujourd'hui, je crois que c'est 65% de la population qui regarde la télé avec un deuxième écran sur les genoux. Et en plus, il y a un autre truc qui est un peu sympa, c'est qu'on a tous plus de deux écrans à la maison. Et donc, du coup, il va falloir toucher les gens au bon moment et quand ils sont prêts à vous écouter. Mais surtout, il va falloir les toucher pour qu'ils vous voient. Et ça va être ça, en fait, le challenge. Qu'ils vous voient, qu'ils vous comprennent, qu'ils vous consomment. Ou en tout cas, en pub, ça va être le but. Et par ça, ça va être vraiment par le contenu créatif. Et c'est là où Facebook est très différent et en fait, et en même temps très puissant. C'est que vous allez pouvoir, sur nos différentes plateformes, attirer les gens avec des contenus qui vont être adaptés à votre objectif. Il faut savoir que sur nos plateformes, on n'est pas en concurrence avec son petit voisin. On est aussi en concurrence avec les amis de la personne qu'on target. Sur Facebook, vous allez être en concurrence avec un petit chaton très mignon, aussi bien qu'avec votre concurrent direct. Et donc, du coup, la façon de s'assurer en fait, que votre audience cible elle va voir votre annonce, ou en tout cas, elle va voir votre concept, elle va comprendre ce que vous faites, c'est via la créa. J'ai fait exprès de choisir ici deux créas qui sont animés. Chez nous, on appelle ça des vidéos. Quand on dit vidéo, ce n'est pas un film de Spielberg. Ça, c'est une vidéo à gauche, par exemple la version kayak. On est d'accord, c'est des images qui bougent. À partir du moment où ça bouge, chez nous, c'est une vidéo. Et c'est hyper important que vous le compreniez très bien dès le début, c'est qu'en fait, quand ça bouge et qu'on défile son fil d'actualité, en général, on va assez vite, surtout en réunion, sauf que quand ça bouge, instinctivement, notre œil est attiré par ce qui bouge. Et donc, du coup, en fait, là, vous allez pouvoir capter une attention. Et si votre message, il est assez clair, il est assez concis et il présente assez vite, les gens vont potentiellement avoir envie d'aller voir plus loin. Et alors, ils vont lire le titre qu'il y a au-dessus et alors, ils vont lire l'offre qu'il y a en dessous. Mais contrairement à d'autres leviers où on commence par le texte, ici, on va commencer par l'image. Vous n'attirerez pas les gens avec un texte. Et donc, il y a un gros, gros travail sur l'image. Alors, je vous montre quelques exemples de créa qui vont être un peu adaptés en fonction de l'objectif que vous pouvez avoir. Donc, le premier qui est un canvas. L'idée, là, c'est on est plutôt du côté branding considération, faire rentrer la personne dans son image de marque, lui présenter des produits, mais aussi la faire rentrer vraiment dans sa marque au sens large du terme. J'ai remis la pub kayak, où là, on est clairement dans un objectif de transformation directe. Il y a le petit point book now qui apparaît. Mais là, en deux secondes, on a compris ce que voulait présenter la marque. Ils ont repris leur logo qui déroule comme ça. C'est des vols. On peut rentrer sa destination, sa date. On va booker un vol. Derrière, c'est un format Instagram, mais qui existe, ça existe et sur Facebook et sur Instagram. Donc là, on est sur un carousel. L'avantage du carousel, c'est que vous pouvez avoir et des vidéos et des images statiques au même endroit. Et en fait, créer vraiment une histoire. Donc vous emmenez la personne dans votre histoire, vous lui donnez, elle défile si elle a envie d'aller plus loin. Et vous pouvez également, du coup, présenter plusieurs produits. Et le dernier, vous allez entendre parler d'Audience Network tout à l'heure, c'est donc notre réseau de partenaires. Et là, ça va être Facebook qui va mettre les publicités en natif sur les différentes apps qui sont nos partenaires. Et donc, vous êtes dans le lookalike de l'app, ce qui va vous permettre, du coup, de ne pas avoir un truc un peu crassou qui souvent exaspère quand on a de la pub. Jusque-là, normalement, tout le monde m'a suivi. Donc, on a la créa, le message. On pourra en rediscuter après plus longuement, si vous voulez. La dernière chose qui va en fait avoir une vraie importance pour la façon dont vous allez gérer vos campagnes et avoir du revenu, c'est la façon dont vous mesurez votre performance. Et c'est souvent un peu le nerf de la guerre, c'est comment est-ce que je m'assure que je suis performant, comment est-ce que derrière, à partir de ces mesures-là, je suis rentable. Pour ça, on va parler rugby. Il y a eu les All Blacks ce week-end. Et ici, on va se demander, en fait, donc on va avoir un très bel essai qui va être mis. Ma question ici, c'est à qui on attribue cet essai? Est-ce que c'est à cette personne qui aplatit? Est-ce que c'est au premier qui fait la passe dans la mêlée? Est-ce que c'est l'enchaînement de toutes les passes? Et
on a envie de se dire, en tout cas en sport, on a envie de se dire, bah, c'est un peu tout le monde. Parce que s'il y en a un qui plante, bah, les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais bizarrement, sur le web, c'est exactement la même chose. On se dit qu'il y a plusieurs points de contact, que les personnes ne sont pas, en tout cas leur cerveau n'est pas en silo. Donc une personne ne se dit pas, ah non, ça c'est du branding, je ne regarde pas, j'irai acheter que quand on me proposera une transaction. Donc en fait, on est tous, en tant qu'humains, influencés par différents points de contact. La première difficulté, c'est déjà d'être capable de les mesurer et de récolter cette data. On a un problème très souvent, on perd de l'information entre un desktop et un mobile, on perd de l'information entre un mobile pro et un mobile perso, on perd de l'information entre un PC pro et un PC perso, etc. etc. Avec Facebook, on est encore une fois sur des gens, et donc l'avantage, c'est que c'est la même personne qui est connectée à ces différents devices. Donc normalement, on perd moins d'informations que quand on s'arrête à des cookies, qui n'existent pas déjà sur certains des devices. Et donc, on va déjà pouvoir capter plus de data. Et une fois que vous allez pouvoir capter cette data, vous allez être capable de modéliser la façon dont vous voulez attribuer la performance. Évidemment qu'on ne va pas attribuer la même performance à tout le monde. Sauf que ce n'est pas parce que une personne est très branding et donc du coup, en fait, va expliquer ce que vous faites plutôt qu'aller sur la transaction que cette personne ne vous apporte pas un essai à la fin. S'il n'y avait pas eu la première passe, il n'y aurait pas eu l'essai. Je pense que, enfin, on pourrait parler des heures un peu de tout ça. Je vais juste résumer. Aujourd'hui, quand vous gérez vos campagnes marketing, il va y avoir 4 points principaux à retenir. La première, c'est vraiment définir votre objectif. Assurez-vous d'avoir le bon objectif et du coup le bon KPI qui va avec. La deuxième, ça va être de choisir votre audience et de vraiment faire évoluer vos audiences. L'avantage des custom audiences, quand vos clients, la base va grossir. Et donc, du coup, à partir de cette base qui grossit, ben, vous pouvez toujours l'affiner et vous pouvez toujours continuer à aller chercher d'autres personnes. En général, ce qu'on dit chez Facebook, c'est que quand on commence ses campagnes, on commence par aller chercher les low-hanging fruit. Donc, quand on va sous l'arbre, c'est les fruits qui sont les plus faciles à attraper. Donc, on commence par ses clients cibles, en fait, son cœur de cible. C'est eux qui vont nous permettre de tester notre produit, qui vont nous permettre de tester est-ce qu'on est efficace. Et une fois qu'on a attrapé tous les low-hanging fruit, alors on va devoir aller chercher un peu plus haut. Et ceux-là, en général, on sait qu'ils sont un peu plus compliqués à aller chercher. Mais du coup, on a déjà plein de bonnes pratiques. On a déjà plein de bonnes infos qui vont nous permettre, du coup, de développer des stratégies pour aller chercher. Dans un langage plus technique, des prospects plus froids, mais des fruits plus élevés sur l'arbre. Donc, c'est grâce à nos audiences. La créa, souvent, c'est vraiment quelque chose qu'on néglige parce qu'on se dit, moi, je fais de la perf et donc, du coup, je veux du texte. C'est hyper important. C'est vraiment hyper, hyper important. La créa, chez Facebook, c'est plus de 50% de votre perf, clairement. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être Spielberg pour faire des très beaux films. Vous faites des photos, vous faites du motion design, vous utilisez votre app Instagram qui permet maintenant de faire du motion design. Il y a plein d'applis gratuites qui vont vous permettre de, de faire des créas. Moi, j'ai plein de clients qui n'ont pas beaucoup de ressources en interne. Ils ont pris un stagiaire qui touche un petit peu à la créa, qui développe des choses. Ce n'est pas parfait, on est tous d'accord. N'empêche que quand on est sur son fil d'actualité, les photos envoyées de nos amis, les photos envoyées des gens qu'on connaît un peu vaguement, ce n'est pas parfait non plus, mais pourtant, on les regarde et on les consomme. Et en fait, sur Facebook, on va être plus touché par quelque chose qui nous est proche que par quelque chose qui est complètement inaccessible. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait, du moment qu'en fait, vous mettez un peu votre âme dedans et votre message dedans. Et enfin, la mesure, où là, j'en ai déjà parlé, mais je pense que tout le monde va un peu en reparler aujourd'hui sur les différentes opportunités des plateformes, mais essayer d'avoir le maximum de data possible pour essayer d'avoir les décisions qui soient les plus justes possibles. Je pense qu'on n'a pas encore atteint à ce niveau-là le Graal, d'une connaissance complètement omnisciente, mais au moins, plus vous aurez de data, plus vous serez capable d'avoir des informations. Je vais laisser la parole à Dia. Ready? Hop. Pour Messenger.
Merci beaucoup, Amélie. C'était très, très intéressant. Et merci à vous tous d'avoir pris ces quelques heures cette matinée pour venir parler avec nous de la plateforme de Facebook. Comme Alexandre l'a si bien dit tout à l'heure, je n'ai jamais fait une présentation en français à plus de 10 personnes. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était au lycée, en terminale à Beyrouth, il y a une douzaine d'années. Donc, vous m'excuserez d'avance pour le franglais ou si je passe complètement à l'anglais. Aussi, avant de commencer, Alexandre m'a dit que je n'aurais aucun succès en faisant ça, mais je compte absolument sur vous. Juste pour garder ce moment en mémoire pour moi et mettre une story, j'aimerais juste, si au compte de trois, vous pouvez juste crier tous, je ne sais pas, ici c'est Paris, même si vous n'êtes pas des fans du PSG, on va crier ici c'est Paris. Donc, un, deux, trois. Merci. T'as vu Alex, ça marche? Cool. Repensez un peu la dernière année ou ces deux dernières années, à un moment où vous avez dû appeler le service clientèle d'un prestataire ou de n'importe quelle compagnie, où vous voulez un service, où vous vouliez poser une question, vous avez acheté un truc, il fallait le rendre ou changer un billet d'avion. Qui d'entre vous a déjà passé plus de 15 ou 20 minutes au téléphone à essayer de joindre le service clientèle? Tout le monde, n'est-ce pas? Je me rappelle, il y a un an, j'avais acheté un billet Dublin-Paris avec Transavia et je voulais changer ce billet et j'avais pas le temps de passer des heures au téléphone et tout. Je me suis dit, je vais tenter ça. J'envoie un message sur Facebook à Transavia, je leur dis, c'est le numéro de référence et je veux changer ça du 15 février au 18 février. Et au bout de 10 minutes, quelqu'un me répond, c'est bon, c'est fait. Genre, waouh, c'est possible que tout soit tellement simple. C'était le moment de déclic pour moi. C'était avant que je commence à travailler sur Messenger et je me suis dit, c'est vraiment une expérience super. Juste ne pas passer des heures à essayer de rejoindre un service clientèle. Ce n'est qu'une des maintes utilisations dont on va parler dans les 20 minutes à venir sur Messenger. Donc, juste pour commencer à parler de la messagerie instantanée. As a whole. On estime jusqu'à la fin de 2018 qu'il y ait environ 2 milliards de personnes qui utilisent tous les jours la messagerie instantanée, ce qui vraiment est un chiffre impressionnant. Et avec la messagerie instantanée, avec Messenger et beaucoup d'autres plateformes, mais principalement Messenger, beaucoup d'expériences comme celles dont j'ai parlé il y a quelques minutes sont possibles. C'est des utilisations un peu différentes qui n'étaient pas là avant. Et je pense que c'est intéressant qu'on soit à l'imprimerie avec des machines aussi impressionnantes comme ça, parce que moi, je pense vraiment que Messenger est en train d'introduire un nouveau média, non seulement une plateforme, mais vraiment un nouveau média pour pouvoir communiquer avec les business. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, la séance d'aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est comprendre la raison pour laquelle les personnes choisissent les applications de messagerie instantanée et comment vous, en tant que start-up, en tant que business, pouvez utiliser cela à votre avantage. Donc, Messenger, comme vous connaissez, permet facilement de contacter à peu près n'importe qui en ligne. Il ne faut pas forcément être ami avec quelqu'un sur Facebook pour les contacter sur Messenger, avoir le numéro de téléphone ou juste chercher leur nom. Vous pouvez les contacter. Et Messenger possède des fonctionnalités que les applications de messagerie plus simples n'ont pas. Par exemple, l'envoi de paiement qu'on a annoncé la semaine dernière ou il y a quelques semaines sur la France. Il y a une caméra avec AR, VR, des effets très sympas. Vous pouvez même envoyer des GIFs, des trucs sympas, faire un plan. Si vous envoyez, par exemple, le 15 novembre, vous cliquez, ça crée un plan, ça vous rappelle. Donc, en gros, c'est un outil de messagerie vraiment très, très puissant. Et aussi, ça vous permet de discuter avec votre marque préférée et de discuter avec des business. On observe que maintenant, cette montée fulgurante du messaging se passe aussi sur Messenger. Donc, c'est une évolution majeure de comment les consommateurs utilisent cet outil. Et aujourd'hui, on compte plus de 1,3 milliard d'utilisateurs sur Messenger. Et les entreprises comprennent le message. Les entreprises sont en train de se placer où le client est. Donc, il y a 70 millions de pages d'entreprises sur Facebook et 20 millions de ces entreprises sont très actives à répondre à des messages. Aussi, petite anecdote, j'ai oublié mon sac à dos hier
dans un resto. Ce matin, je réalise ça, j'envoie un message sur Facebook. Au bout de 15 minutes, la propriétaire du restaurant me répond, c'est bon, il est là. Au lieu d'appeler, c'est juste un truc que je fais comme ça. True story, c'est ce matin-là. Beaucoup de vin hier et un peu trop de jet lag, donc j'ai oublié mon sac. Donc vraiment, c'est très, très simple de faire ces interactions avec les entreprises. Et donc, les entreprises sont en train d'adopter de plus en plus ce nouveau moyen de communication. On va voir non seulement envoyer des messages, mais des outils un peu plus puissants tout à l'heure. Et c'est un écosystème vraiment florissant. Donc, les bots ont simplifié ce processus énormément. Et on a aussi constaté une explosion d'entreprises qui facilitent et qui permettent à des entreprises de créer des bots facilement. Je sais qu'il y a une ou deux compagnies qui font des bots ici avec nous dans l'audience. Il y en a beaucoup d'autres en France et beaucoup d'autres en Europe que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire cela. Donc, on a annoncé la plateforme Messenger il y a 18 mois. C'était en avril 2016. À San José, en Californie. Et donc, on avait commencé à zéro. Il n'y avait pas de développeurs sur Messenger. Maintenant, il y a plus de 100 000 développeurs actifs sur Messenger, plus de 200 000 bots très, très actifs. Et on voit vraiment une croissance assez importante dans ça. Et Facebook investit énormément à rendre la plateforme Messenger successful. Donc, ça a été une excellente expérience d'apprentissage pour nous. À la fin de cette présentation aujourd'hui, je vais juste partager quelques tips and tricks de comment créer un bot et comment éviter certaines des erreurs que nous, on a fait et que beaucoup d'autres ont fait au début. Et beaucoup de prestataires de ces plateformes de bots majeurs créent sur la plateforme Messenger. Alors, Messenger offre aux entreprises l'occasion de présenter des expériences uniques qui n'existent pas ailleurs, que ce soit le Customer Care, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit augmenter la notoriété de votre marque ou permettre des transactions même, ou alors acquérir de nouveaux clients. Messenger peut être un très, très bon média pour ça. Donc, on va parcourir quatre exemples de certaines compagnies qui ont fait ça de façon très intéressante. Donc, on va parler de ces quatre cases. Renforcer la notoriété, acquérir des clients, permettre des transactions et un service client. Donc, pour le premier, renforcer la notoriété ou drive awareness. Pour moi, la traduction fait un peu bizarre, mais donc renforcer la notoriété. L'exemple d'un partenaire avec qui on a travaillé pour améliorer les résultats de ses activités tout en mettant en contact les clients avec la marque. Donc, c'est Tommy Hilfiger qui avait un fashion show, un spectacle à New York, et s'est dit on veut que tout le monde puisse interagir, tout le monde dans l'audience et en dehors, puisse interagir et comprendre ce qui se passe dans le catwalk. Donc, ils ont lancé ce bot et ce service nommé Tommy.grl. Et ce service permet d'engager des conversations personnalisées. Donc, par exemple, comme vous pouvez voir, les gens pouvaient découvrir la nouvelle collection, mais aussi avoir des recommandations de Gigi Hadid, qui est une célébrité américaine d'origine libanaise. Je dis rien. Donc, créer un partenariat avec une plateforme intelligente artificielle qui est Message.ai. Les clients étaient habilités à en utilisant juste open-end des mots, c'est pas un menu, ils étaient capables d'interagir avec le bot. Et grâce à ça, les gens ont passé 3,5 fois plus de temps avec le service Tommy.girl que les canaux numériques traditionnels qui sont leur site web ou autre chose. Donc vraiment, ça permet un engagement beaucoup plus poussé. En plus de la notoriété, le plus important, c'est vraiment d'acquérir les clients. Et là, on va passer sur un exemple franco-français d'une compagnie qui a pu faire ça de façon très, très intéressante. Donc, Mythic, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui appartient à Match.com, qui est une filiale du groupe Match.com, a lancé Lara de Mythic, une assistante virtuelle. J'ai essayé ça quand le bot a été lancé, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, ça commence juste avec une discussion, hello, et Lara vous parle, c'est comme votre amie qui va vous poser un rencard avec quelqu'un. Donc, elle va vous demander qu'est-ce que vous aimez, qui vous êtes. Et après, vous vous demandez c'est qui votre préféré. Et puis, éventuellement, le but, c'est que Mythic puisse vous faire créer un compte, en fait, sur leur service. Mais c'est une façon vraiment très légère, très naturelle de le faire, au lieu de rentrer sur un site web et avoir un formulaire avec une quinzaine de réponses à entrer. Ça, c'est une façon interactive et sympa à faire. Mythic a réalisé qu'en faisant ça, ils ont eu un taux de conversion de 30% plus élevé par rapport au web ou par rapport à leur application, ce qui vraiment est très, très impressionnant.
Alors, donc beaucoup d'entreprises sont aussi en train d'utiliser Messenger pour convertir et pour permettre un contact plus direct et plus personnel avec les marques, comme on a vu avec Mythique et comme on va voir dans cet exemple. Ça, c'est l'exemple d'un partenaire qui vraiment est en train de faire quelque chose de vraiment formidable avec Messenger. C'est un partenaire qui nous vient d'Égypte, ça s'appelle Elves. Et en fait, Elves, c'est un assistant personnel qui peut tout faire pour vous. Booker des taxis, aider à acheter des produits, vraiment absolument tout. C'est une grosse compagnie qui a maintenant plusieurs dizaines d'employés, fait un chiffre d'affaires très intéressant. La compagnie s'appelle Elves. Donc, pour Ramadan, il y a 3-4 mois, ils ont fait un partenariat avec Tortina, qui est un vendeur de desserts, pour en gros faciliter la découverte et l'achat de ces desserts arabes que les gens achètent typiquement pendant Ramadan. Voilà, donc get started. Et là, justement, Elves va vous encourager et vous upsell l'expérience avec Tortina. Et aussi, grâce à ce service-là, ils ont eu un taux de conversion de 63%. La taille du panier était de 2,4 fois plus grande que sur d'autres médias. Et après, quand ils demandaient aux consommateurs s'ils étaient satisfaits, il y avait 85% de satisfaction. Et aussi, j'avais essayé cette expérience à l'époque. Et vraiment, c'est une façon très simple, très interactive d'acheter. Et aussi pour Elves, c'est aussi, ils sont en train de surfacer une utilisation que les gens n'avaient pas forcément anticipée pour les bottes. Donc les gens ne vont pas sur Elves pour se dire je vais acheter des douceurs arabes, mais quand même ils peuvent le faire parce que Elves est en train de leur montrer ça d'emblée. Donc comme vous pouvez voir, là que ça est en train, on va en parler tout à l'heure, mais ça ouvre un webview où vous pouvez acheter et Elves va envoyer quelqu'un et vous livrer le colis à la maison. Donc. Voilà. Prochain exemple, en ce qui se concerne le service clientèle, je vous ai donné ma petite anecdote tout à l'heure qui est sympa, mais aussi la première chose qui importe aux utilisateurs, c'est vraiment rapidité de réponse et que l'interaction soit utile. Donc, pour renforcer les capacités en matière de réactivité à une grande échelle, ce n'est pas facile. Donc, juste embaucher beaucoup plus de gens, c'est très coûteux. Et aussi faire attendre quelqu'un une demi-heure pour une petite query toute simple, c'est pas une expérience optimale. Donc, c'était le point de départ, c'est vraiment l'automatisation en masse, mais aussi une facilité pour vous à intégrer le service. Donc, Switch, qui est une offre de AXA, la compagnie d'assurance, a réinventé sa stratégie de communication avec les clients un peu plus jeunes. Switch, c'est leur produit pour une clientèle jeune, en ajoutant un Messenger Bot comme nouvelle option pour la service clientèle. Donc, ils se sont associés à Dimelo pour connecter le chat en direct sur Messenger pour réduire le temps de réponse de 95% et monter la satisfaction de plus de 90%. De 80%, pardon. Et voilà aussi une expérience typique de ce que vous pouvez voir. Donc voilà, c'était juste quatre exemples pour vous montrer ce qui est possible avec Messenger, qui ne viennent pas forcément très intuitivement. La plupart des business peuvent être disrupted avec Messenger. Et très souvent, les gens me posent la question, genre, qu'est-ce qu'on peut faire avec Messenger? Il faut vraiment être créatif, il faut vraiment penser en dehors et marcher en dehors des sentiers battus et vraiment réfléchir un peu de façon créative à comment faciliter l'expérience de vos utilisateurs avec votre compagnie. Donc, avec Messenger, vous êtes capable de créer des expériences conversationnelles, visuelles et très sociales. Et on va parler de ces trois points maintenant. Donc, il est désormais très facile d'interagir avec les gens par le biais de Messenger en utilisant les fonctionnalités d'automatisation de la plateforme. Et avec l'association des comptes ou account linking, par exemple, c'est très simple pour un utilisateur de s'identifier avec votre service sur le Messenger Bot. Donc, au lieu de réentrer leurs informations, l'important, c'est que vous, dans la back-end, vous pouvez savoir c'est qui cet utilisateur pour pouvoir leur donner une expérience personnalisée. Par exemple, si vous avez certains utilisateurs qui sont éligibles pour une certaine promotion, s'ils sont en train de login sur votre service, vous pouvez savoir que cet utilisateur-là va avoir cette expérience customisée pour eux sur Messenger. Aussi, la plupart des bots maintenant ont une option de menu, de persistent menu, qui est ce petit,
je sais pas, un truc en bas, avec des... sorry again pour mon français. Mais avec, en gros, c'est un menu persistant que les utilisateurs pourront toujours ramener et toujours revenir à ça pour mieux interagir avec le bot. On encourage vraiment très fortement les gens à utiliser les développeurs à utiliser le persistent menu. Parce que juste en mettant un formulaire d'entrée ouvert où les gens peuvent envoyer n'importe quel message au bot, ils ne vont pas vraiment savoir comment interagir avec votre bot. Et peut-être que vous, dans la back-end, vous ne pouvez que comprendre qu'une dizaine de keywords. Donc, si l'utilisateur n'envoie pas ces keywords, alors ils ne vont pas pouvoir interagir avec le bot. Donc, avoir le persistent menu, ça permet de les diriger dans la bonne direction. Donc là, c'est l'exemple de notre platform bot. Vous pouvez voir, ça vous dit genre view agenda. Et ça restreint en fait l'interaction du bot et ce que les gens peuvent faire avec. Et le dernier point, quick replies ou réponse rapide, offre une expérience davantage guidée pour les gens. Donc en gros, vous êtes en train de permettre au bot de poser des questions très dirigées. Donc, oui ou non. Par exemple, au lieu que ce soit une question open-ended où l'utilisateur peut répondre ce qu'il veut, là, c'est en fait les guider vers le bon endroit. Et les quick replies peuvent contenir jusqu'à 10 boutons dynamiques qui sont directement où votre bot va vraiment savoir comment répondre et donner à l'utilisateur une expérience qui est consistante. Voilà, maintenant je vais parler de trois fonctionnalités plus récentes de la plateforme. Donc le premier, c'est Discovery ou Découverte. On a lancé ça en France il y a 3-4 semaines, Laura me dit. Et en fait, Discovery, c'est vraiment pour notre réponse à toutes les demandes des développeurs de faciliter la découverte de leur bot pour tout le monde. C'est un point d'entrée gratuit. On est en train de permettre aux gens de rentrer, découvrir des bots et de très bonnes expériences. Donc, quelques trucs importants pour Discovery, c'est les bots qui vont être featured dans Discovery, c'est les bots qui vont avoir un taux de réponse très très élevé, donc de plus de 95%, et avec lesquels les utilisateurs ont une très bonne interaction. Donc si votre bot fonctionne bien et les gens ne se désinscrivent pas et interagissent avec très souvent et a une response rate très élevée, donc ça va sans doute et peut-être être featured dans Discovery. Et on a aussi des catégories de Discovery. Donc, si par exemple on veut des bots utilitaires ou des bots de gaming ou quoi que ce soit, il y a des catégories pour voir ça. Le second point, c'est Chat Extensions. Chat Extensions, c'est vraiment très pratique dans les discussions de groupe. Donc, en fait, si j'ai une discussion avec trois potes, je peux inviter un bot à nous faciliter la vie. Par exemple, je peux inviter le bot Spotify pour créer une playlist pour ma pendaison de crémaillère en fin de semaine. Ou par exemple, si vous êtes en voyage avec quelqu'un, vous pouvez avoir une chat extension qui va vous permettre de partager les dépenses. Ou vraiment, c'est juste des petites applications qui sont pour les groupes et pour avoir un assistant un peu plus smart qui va vous aider dans ces conversations. Et maintenant, le point le plus nouveau qu'on a annoncé la semaine dernière à Paris avec David Marcus, qui est notre lead pour Messenger Global, c'est Customer Chat Plugin. Et pour le moment, on a une réponse vraiment très intéressante de l'industrie avec plus de 10 000 compagnies qui veulent déjà utiliser cela. Donc en fait, vous pouvez maintenant intégrer Messenger dans votre site web, que ce soit sur mobile ou sur desktop, pour permettre aux clients actuels et aux clients futurs d'avoir une discussion très rapide avec vous. Donc comme vous pouvez voir Siba, donc hi, how can I help you? Chat now. Ça a déjà la photo de la personne. Donc c'est vraiment une façon très interactive, très facile pour permettre à l'utilisateur de discuter avec vous. Vu que l'utilisateur est déjà identifié, ça facilite énormément l'expérience. Et aussi, si cette personne a déjà discuté avec votre bot ou votre page dans le passé, vous pouvez montrer une box un peu plus contextuelle, donc par exemple leur parler de leur dernière purchase ou un truc comme ça. Alors c'est voilà le customer chat plus en action. Ok,
Donc, tous ces exemples montrent en quoi Messenger est un meilleur outil de communication. Et ça facilite énormément tout genre d'interaction que vos clients peuvent avoir avec le bot. Maintenant, on va parler juste de quelques astuces pour construire un excellent bot. Et vraiment, ça vient de notre... Des erreurs qu'on a faites dans le passé et des learnings qu'on a fait avec le temps. Initialement, quand on a parlé de bots, on était en train de mettre un peu plus l'accent qu'on aurait dû sur le côté AI et tout ça. Réalistiquement, pour une petite compagnie de 2-3 personnes, ça va être très dur d'avoir une intelligence artificielle qui va pouvoir être vraiment très facile à utiliser pour les utilisateurs. Ce qu'on encourage, c'est l'utilisation des menus persistants et d'une expérience un peu plus guidée. Donc, le premier truc dont on va parler, c'est la « death by decision tree » ou « mort par l'arbre décisionnel ». Sure. Si votre bot est en train de poser beaucoup trop de questions, ça va être, il va y avoir des dropping points très fréquents. Donc, par exemple, tout comme dans votre site web ou dans un formulaire ou dans votre application, vous n'avez pas 15 pages différentes que les utilisateurs doivent remplir avant de pouvoir faire une action. Donc, c'est tout pareil si par exemple, c'est un bot qui essaie de faire acheter un billet d'avion. Si ça ne fait que poser des questions, si l'utilisateur fait n'importe quelle erreur ou vous changez ce qu'il est en train d'entrer, ça va être très compliqué et ça va faire une expérience qui n'est pas top. Swelly, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un bot assez marrant qui vous permet de poser des questions, surtout dans votre vie, et demander à quelqu'un, à la communauté, genre, est-ce que je porte la chemise noire ou la chemise bleue. Ils font ça très bien, en fait. Ils utilisent tout ce qu'on offre, genre tout ce qu'il y a comme carte et web views et chat extensions et tous ces trucs, pour vraiment créer une interaction assez seamless avec les gens. Donc, l'exemple d'avant, c'est l'exemple qu'il ne faut pas faire, donc poser juste des questions non-stop. Et Swally, c'est un exemple d'un truc un peu plus sympa que vous pouvez faire. Donc, le second plan, c'est WebView. Ça aussi, c'est toujours, on est en train de voir Swally. Donc, WebView, c'est quand vous avez besoin d'un truc un peu plus interactif, quand vous avez besoin de montrer des éléments qui ne sont pas disponibles en natif sur Messenger, et quand vous voulez faire appel à des pages externes, vous pouvez faire ça. Donc, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Elves, c'était le formulaire pour effectuer la transaction et pour payer. Donc, vous ouvrez un WebView et vous faites la transaction sur votre site. Ici, par exemple, c'est comment gérer les subscriptions avec le WebView. Donc, pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent entendre de Swally. Donc, purement et simplement, là, c'est juste une checkbox. Le WebView aussi est conçu à être ou en mi-hauteur ou en... full length, et les deux peuvent être utilisés différemment, dépendamment de si vous avez besoin de toute la page ou la moitié de la page. Mais ce que vous voulez quand même éviter, c'est de construire un site tout entier dans une WebView, parce que là, sinon, ça it defies the purpose of Messenger, et ça rend Messenger un peu inutile dans ce cas-là. Donc, c'est plus un widget ou un petit accessoire pour avoir une interaction plus dynamique sur votre bot. Maintenant, le persistent menu qui est aussi si bas. Donc là, c'est au lieu, comme l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, au lieu de permettre à l'utilisateur d'écrire ce qu'il veut au bot et après utiliser la AI pour comprendre ce que l'utilisateur veut faire derrière, le persistent menu, c'est pour les diriger plus dans la bonne direction. Donc là, c'est l'exemple de eBay qui le fait très bien. Donc, il y a About You, Browse Collections, etc. Donc c'est vraiment juste pour diriger l'utilisateur vers le droit chemin. Et donc, avoir un bot excellent, c'est très bien, mais si personne ne connaît le bot, au final, ce n'est pas très utile. Donc, aussi, on a beaucoup d'éléments pour la découverte organique des bots. Donc, vous pouvez avoir le link Message Us, Send a Message, sur le site web, sur les applis, tout ça. Avoir les codes. Donc, comme le code Pizza Express, donc les codes peuvent être sur tous les menus dans les restaurants ou dans une newsletter, ou si vous envoyez n'importe quoi qui est physique, vous pouvez avoir les utilisateurs peuvent juste prendre une photo avec Messenger et ça va ouvrir l'expérience avec le bot. Petit point sur ça aussi, les codes sont aussi parameterized. Donc, en gros, vous pouvez avoir un bot qui va vous diriger vers une expérience spécifique dans Messenger. Donc, si vous voulez, par exemple, qu'il n'y ait que 100 utilisateurs, ou un segment plus défini de votre clientèle qui a accès à une promotion spéciale ou à une partie du bot, vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez générer plusieurs codes paramétrisés pour votre bot.
Pardon. Et aussi pour l'appel à l'action, le call to action, CTA, de la page. Donc sur votre page Facebook, vous pouvez avoir aussi le send a message de façon plus prominente. Aussi, si votre bot est très actif, on va montrer ça sur la page sur Facebook. Donc on va dire le bot est très responsive, répond plus de 90% du temps, within a few minutes et tout ça. Et le dernier point, c'est les liens. Donc, vous pouvez aussi avoir un lien m.me qui est messenger.me/ le nom de votre bot pour faciliter l'accès au bot. Donc, quelques exemples avec TechCrunch de la découverte organique avec le bouton Messages en haut. Aussi, le partage personnalisé qui est assez intéressant. Donc, par exemple, ça, c'est le jeu Trivia Blast qui personnalise le message pour le jeu que la personne est en train de jouer. Donc là, c'est « Can you beat me at Harry Potter, accept the challenge ?» au lieu que ce soit juste genre « Découvrez ce bot ». Donc, c'est un truc plus personnalisé. Et en fait, le bot est en train de montrer ça comme étant un message d'un pote. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit « Can you beat me at Messenger, at Harry Potter challenge ?» Donc, ce n'est pas juste un lien d'une application plus banale. Aussi, comme Amélie parlait de ça tout à l'heure, mais on a aussi maintenant plusieurs éléments de découverte payante dans Messenger. Donc, ça peut être des publicités dans le newsfeed avec Send a Message qui va ouvrir le bot. Ou aussi des messages sponsorisés. Donc, une fois que l'utilisateur a déjà été actif avec votre bot, vous pouvez les retargeter avec des messages sponsorisés. Dernier point, si vous n'avez jamais essayé les codes paramétarisé, vous pouvez juste prendre une photo de ça avec votre appli Messenger, ou aussi c'est sur votre badge de derrière, comme ça vous pouvez interagir avec le bot qu'on a créé pour cette occasion. Merci beaucoup pour votre temps et je m'excuse de tout mon franglais. Ça va être difficile de battre l'intro ici, c'est Paris. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Facebook, on a pris 2-3 francophones, pas vraiment français, qui n'ont pas parlé français depuis 10 ans. On les a envoyés à Paris pour parler de leurs produits en français. Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Claude Van Damme. Je m'excuse en avance pour ce qui va arriver. Je viens du siège également et je vais vous parler d'Analytics aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe partenariat produit. Donc, notre rôle chez Facebook, c'est de travailler avec les startups et avec les développeurs et en même temps avec nos équipes produits en interne pour faire en sorte qu'on continue à développer des produits qui marchent pour vous. Alors, lorsque les startups démarrent en général, on se focalise souvent sur l'acquisition, c'est-à-dire comment acquérir un grand nombre d'utilisateurs le plus vite possible. Et nous savons que l'acquisition est quelque chose d'important, mais nous pensons que c'est uniquement la moitié de l'équation de la croissance. L'autre moitié, c'est ce qu'on appelle la rétention ou l'engagement. Si vous ne pensez pas à la rétention et à l'engagement dès le départ, il est probable que vous dépensiez plus d'argent que nécessaire et probablement plus de temps également à essayer d'acquérir plus de clients alors que pas mal de ceux que vous avez déjà partent plus vite que ce que vous le souhaitiez. On sait que l'engagement et que la rétention peuvent être difficiles. Par exemple, l'application moyenne perd 77% de ses utilisateurs dans la première semaine. Et ces statistiques sont encore pires si on prend la rétention sur base mensuelle. On sait aussi que 60% des applications sont utilisées moins de 10 fois. Ces statistiques, qui sont somme toute assez mauvaises, sont une des raisons pour laquelle nous avons créé Facebook Analytics. Et je vais vous en parler plus en détail. Nous souhaitons vous voir dépasser ces statistiques et ces moyennes pour vous aider à croître et à mieux comprendre vos utilisateurs. Avant de parler de Facebook Analytics, je vais parler un petit peu des grandes phases d'évolution de cette industrie. Il y a des années, les outils de mesure étaient assez rudimentaires. Les gens utilisaient le web uniquement sur des ordinateurs, souvent à la maison ou au bureau. Et le protocole HTTP permettait des analyses de base. La mesure était basée sur les liens, les URL, basée sur des sessions de navigateurs et s'appuyait principalement sur les cookies. Certains produits sont encore conçus sur cette architecture aujourd'hui. Et puis, il y a 10 ans environ, tout a commencé à en changer avec l'explosion du mobile. 10 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas ça non plus. Les URL et les cookies, comme on l'a dit tout à l'heure, sont un peu moins utiles dans le cadre des applications mobiles
Et ça nous a forcé à adapter les moyens de mesure et pivoter sur des choses comme l'activité des utilisateurs et leurs transactions. Cette seconde vase, se base plutôt sur les événements et les actions de ces utilisateurs et les appareils, les devices qu'ils utilisent. Mais dans ce cas-ci, le web et le mobile restent cloisonnés. Les outils traditionnels mesurent sur base de cookies et de devices, comme on l'a dit. Mais les utilisateurs modernes utilisent souvent bien plus qu'un seul appareil pour compléter une seule transaction. On a souvent un téléphone portable, un ordinateur, parfois une tablette ou plus même. Grâce à notre plateforme et les 2 milliards d'utilisateurs Facebook sur mobile et sur web tous les mois, nous pouvons vous aider à adopter une approche basée sur les personnes et non pas sur les cookies, pour vous aider à comprendre le parcours client dans sa totalité, y compris lorsque ces utilisateurs passent d'une plateforme à une autre, par exemple. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup ce slide ou qui a reçu quelque chose de drôle sur son téléphone. Donc, ce sont des choses qu'on fait déjà sur le mobile, sur le web et sur Messenger, si vous avez développé un bot. Mais il y a des choses qui nous manquaient dans ce... pour pouvoir capturer ce parcours client en entier. Facebook est devenu une plateforme importante pour nos partenaires. Et il est difficile aujourd'hui de comprendre le parcours client dans sa totalité si vous ne comprenez pas les interactions de votre client avec votre entreprise sur Facebook même. C'est pour cette raison que nous venons d'ajouter Analytics pour page Facebook. Je vais en parler dans une seconde. Et nous avons également ajouté ce que nous appelons des transactions offline qui permettent désormais de prendre en compte les transactions qui se produisent dans le monde non digital, donc si vous avez des magasins par exemple. Avec ces deux ajouts récents, Facebook Analytics devient une solution qui vous permet vraiment de comprendre le parcours client dans sa totalité, que ce soit sur mobile, sur web, sur Messenger, sur les pages Facebook et même dans les magasins. Et il est important de noter qu'on essaie vraiment de vous aider à comprendre comment un même utilisateur, donc puisque tout ça est basé sur les personnes, comment un même utilisateur utilise plusieurs de ses plateformes et plusieurs de ses canaux en même temps. Donc, Analytics pour page Facebook vous permet, en gros, de comprendre le comportement et les profils démographiques des gens qui interagissent avec le contenu posté par votre page sur Facebook. C'est d'autant plus intéressant si vous combinez ces informations avec d'autres plateformes, comme votre application mobile ou votre site web. Avec la partie offline, vous pouvez désormais partager vos données de transaction via une API que nous allons essayer de matcher avec des gens sur Facebook. Et une fois qu'on fait ça, on va vous permettre de combiner ces informations avec les transactions qui se produisent sur vos plateformes digitales. C'est une nouvelle API qui peut être utilisée par les commerçants, les chaînes de magasins ou tout autre type d'expérience non digitale, en fait. Nous pensons être au début de cette nouvelle ère qu'ici on appelle 3.0, où le comportement de l'utilisateur moderne s'exprime à travers plusieurs devices, donc plusieurs appareils et plusieurs plateformes à la fois. Au-delà des cookies et des appareils, il est nécessaire de comprendre les personnes, et c'est sur ça qu'on se focalise beaucoup. Cette troisième vague est centrée autour des personnes et n'est plus cloisonnée. Elle inclura ces différentes plateformes qu'on supporte déjà, potentiellement plus de plateformes dans le futur, mais aussi cette facilité de pouvoir combiner ces plateformes et de comprendre comment une personne va passer d'une de ces plateformes à une autre. Voilà ce qu'on développe avec Facebook Analytics. C'est un outil basé sur les personnes qui vous permet d'analyser et de comprendre le parcours client dans sa totalité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien notre outil, je vais vous donner un aperçu rapide et puis je vais vous montrer plusieurs des fonctionnalités principales. L'utilisation de Facebook Analytics est complètement gratuite, peu importe le nombre d'événements que vous nous envoyez. Que vous ayez une app, un site mobile ou un site desktop, un bot sur Messenger ou une combinaison de ces plateformes. Vous pouvez utiliser Facebook Analytics et notre plateforme de plus de 2 milliards de personnes par mois pour vraiment comprendre qui sont ces gens et comment ils interagissent avec votre business. Et ensuite, il convient de préciser un détail assez important. Facebook Analytics est un produit autonome. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de compte publicitaire avec Facebook, de page Facebook ou même d'utiliser Facebook Login pour pouvoir utiliser cet outil et pouvoir bénéficier des fonctionnalités desquelles je vais parler. Pour utiliser Facebook Analytics, la première étape consiste à installer le SDK qu'on a pour iOS et pour Android sur le mobile. Si vous avez un site web, vous pouvez utiliser le SDK JavaScript ou utiliser le pixel Facebook que un grand nombre d'entre vous utilisent déjà aujourd'hui pour faire de la pub avec nous. La deuxième étape consiste à configurer des événements et à les loguer avec nous. Ces événements seront en fait les interactions que vos utilisateurs ont avec votre produit,
que vous allez passer à Facebook Analytics et qui va vous permettre de bénéficier, de regarder un nombre des rapports que je vais vous montrer. Une fois que vous avez défini ces événements, vous pouvez bénéficier d'une multitude de fonctionnalités. On ne va pas parler de tout ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui. Je vais en couvrir quelques-unes, mais si vous avez des questions, si vous voulez parler en détail de ces fonctionnalités, nous serons là après toutes ces présentations. Il me semble que c'est au sous-sol. Venez nous voir, je suis ici avec deux personnes de mon équipe qui sont Chris et Andrew, qui sont au fond, ils viennent également de Menlo Park et ils ont appris à peu près 4 mots de français depuis qu'on est arrivé il y a 2 jours. Donc je vais commencer à parler des données démographiques. C'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Facebook Analytics. C'est aussi une fonctionnalité qui est unique à Facebook. Alors, Facebook Analytics contient des informations démographiques qui sont détaillées sur vos utilisateurs. Ces informations sont mises à disposition de manière agrégée et anonyme, et elles peuvent vous être utiles pour comprendre les différents types d'utilisateurs que vous avez et mesurer la performance de ces différents types et de ces différents groupes. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple en fait, de certaines de ces dimensions sociodémographiques que nous avons dans Facebook Analytics. Facebook Analytics inclut également des funnels qui permettent de mesurer le taux de conversion de certaines séquences. Ces séquences vont être basées sur les événements que vous nous passez et les paramètres que vous définissez. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de funnel. Vous pouvez utiliser nos fonctionnalités de funnel pour mesurer et analyser les séquences d'interaction qui sont les plus importantes dans votre produit. Ces séquences peuvent être la première session d'un nouvel utilisateur quand il lance votre application pour la première fois, ou bien une séquence de conversion dans un site d'e-commerce qui va se terminer par un achat, par exemple. Comme Facebook Analytics vous permet de combiner plusieurs de ces plateformes facilement, il est très simple de créer un funnel qui commence sur mobile et qui se termine sur le web, par exemple, ou l'inverse, d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces funnels qui vont d'une plateforme à une autre fonctionnent même si ces utilisateurs ne sont pas logués, donc n'ont pas créé de compte sur votre service, puisqu'on est capable de vous montrer ça sur base des personnes et de leur identité sur Facebook. Dans cet exemple, on avait un funnel de personnes qui ont installé une application, puis qui ont visité votre site web pour la première fois, et ensuite ont effectué un achat, que ça soit sur mobile, soit sur le web, dans la même étape du funnel. L'entreprise britannique Treatwell utilise Facebook Analytics et ses funnels pour mieux comprendre le comportement de leurs consommateurs. Par exemple, ils ont identifié une baisse significative du nombre d'utilisateurs sur Android qui faisaient des recherches sur leur plateforme mais qui n'ajoutaient rien à leur panier. Et c'était important ça parce qu'en fait, c'est le funnel qui mesure leur taux de conversion le plus important, qui est le taux de réservation en fait, de ce service. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de cibler ces gens sur Android qui avaient effectué une recherche mais qui n'avaient rien ajouté au panier. Et en ciblant ces gens directement, ils ont pu améliorer la conversion de cette séquence de plus de 5%. Donc, ce qui est intéressant avec Treatwell, c'est qu'ils ont utilisé Facebook Analytics d'abord pour identifier un élément à améliorer dans leur produit et ensuite pour agir aussi une fois qu'ils ont identifié cet élément et à comprendre l'impact des campagnes qu'ils ont lancées pour essayer de remédier à ce souci qu'ils avaient trouvé. Au début de cette présentation, j'ai parlé un peu de rétention. Facebook Analytics peut vous aider à comprendre combien de personnes reviennent utiliser votre produit après leur première visite. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un des graphiques de rétention disponibles sur Facebook Analytics. Donc cette rétention est calculée sur base de la première interaction de l'utilisateur et ce graphique nous montre le pourcentage de gens qui reviennent après un temps donné. Dans ce cas-ci, on regarde sur les derniers 28 jours et on regarde la rétention par jour, par mois. On peut aussi regarder ça sur base mensuelle si on veut. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a pas mal d'options de visualisation pour pouvoir comprendre qui sont ces gens et pouvoir visualiser la rétention sur base de pas mal de paramètres. On peut utiliser les paramètres démographiques desquels j'ai parlé, comme l'âge, le pays ou la ville, par exemple. Et on peut également, au-delà de regarder la rétention moyenne, choisir une date particulière. Ce qui est intéressant quand on choisit une date, c'est qu'on va aussi avoir une idée du nombre de gens qui ont rejoint le service et qui ont commencé à interagir avec votre produit à cette date-là. On a aussi ce qu'on appelle des segments dans Facebook Analytics. Ces segments sont des filtres qui vous permettent de répondre à des questions qui portent sur les caractéristiques d'un groupe d'utilisateurs, groupe que vous définissez de manière assez précise. Je vais vous montrer comment on fait ça. Vous pouvez créer des segments en combinant plusieurs types de conditions, que ce soit les événements et les paramètres que vous nous passez,
les données démographiques que nous mettons à disposition de manière automatique, les propriétés techniques des appareils que vos utilisateurs utilisent, etc. Vous pouvez combiner tous ces types de conditions pour créer ces filtres qui sont dynamiques et qui sont hyper flexibles. Ces segments peuvent être appliqués au funnel, aux cohortes de rétention et aux autres rapports d'activité qu'on n'aura pas le temps de voir dans Facebook Analytics. Ils vous permettent en fait de comprendre en détail le comportement et la conversion d'un sous-ensemble de vos utilisateurs et non pas de tous vos utilisateurs à la fois. Ces segments peuvent également être utilisés pour faire de la pub sur Facebook, pour créer des audiences en fait. Si vous identifiez un segment qui convertit mieux que la moyenne par exemple, il est hyper simple de convertir ce segment en une audience similaire que vous pouvez ensuite utiliser pour faire de la pub sur Facebook. Music Match, que certains d'entre vous connaissent probablement, utilisent Facebook Analytics et ces segments que je viens de vous montrer pour mieux comprendre quelles fonctionnalités de leur application améliorent la rétention de leur app. Donc, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une fonctionnalité qui s'appelle Floating Lyrics, qui en fait vous permet de suivre les paroles d'une chanson qui est jouée sur votre téléphone. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les gens qui utilisaient cette fonctionnalité avaient une bien meilleure rétention que le reste de l'application. Donc, une fois qu'ils ont eu cette information, ils ont décidé de modifier leur séquence d'onboarding pour tenter de donner plus de visibilité donc, à cette fonctionnalité de Floating Lyrics. Et les résultats étaient très clairs pour eux. Le taux de rétention des personnes qui ont activé cette fonctionnalité a augmenté de 20%. Donc, c'est un autre exemple de comment utiliser Facebook Analytics et les segments en particulier pour identifier un certain comportement pour un groupe d'utilisateurs, un sous-ensemble d'utilisateurs, et pouvoir en faire quelque chose. La dernière fonctionnalité de laquelle je vais parler aujourd'hui, avant de laisser la parole à la monétisation, c'est quelque chose qu'on appelle statistique automatique, en anglais Automated Insights. C'est sûrement comme ça que vous allez le voir dans votre dashboard. C'est quelque chose qu'on a lancé à la conférence F8 cette année. C'est en bêta et c'est disponible pour tous les gens qui ont une app et un site web qui a plus de 10 000 utilisateurs par jour. Donc, il n'y a pas besoin de configuration supplémentaire si vous utilisez déjà Facebook Analytics. Si vous utilisez Facebook Analytics, vous allez voir ces cartes qui seront en haut de votre écran d'accueil, de votre dashboard d'Analytics. Et ces cartes vont vous permettre de comprendre différents segments de vos utilisateurs et d'obtenir une comparaison rapide entre ces segments et le reste de votre base d'utilisateurs. Dans cet exemple, on a généré automatiquement des statistiques par version de l'application. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes assis, mais en fait, on vous montre qu'une certaine version de l'appli performe bien mieux en termes de rétention que le reste de la base d'utilisateurs que vous avez. C'est quelque chose qu'on a développé avec des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning qu'on a chez Facebook. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est juste une bêta pour l'instant, mais on est en train d'investir pas mal dans ce domaine-là parce qu'on pense qu'on peut vraiment vous aider à arriver à ces datas qui sont intéressantes bien plus rapidement qu'avoir à aller chercher et à fouiller dans vos données vous-même. On pense qu'on peut automatiser pas mal de ce processus pour vous permettre de vous focaliser sur les insights et sur les actions qui vont en découler. Donc, depuis le lancement de l'outil en 2015, plus d'un million d'applications, de sites web et de bots sont sur Facebook Analytics. Je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. C'est un outil qui est gratuit, qui fonctionne avec le SDK et le Pixel que bon nombre d'entre vous utilisent déjà. Et c'est quelque chose, on est convaincu que c'est quelque chose qui peut vous permettre de mieux comprendre qui sont vos utilisateurs, comment ils utilisent vos produits et vous aider à agir quand vous trouvez des choses intéressantes. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps. Je vais répéter que si vous souhaitez en savoir plus sur Facebook Analytics, venez nous voir à la fin. On est trois. On ne parle pas tous français, mais on aura tous le sourire et on peut vous aider à commencer sur Facebook Analytics. Sur ce, je vais laisser Marc qui va vous présenter Audience Network et comment monétiser votre produit. Merci. Bonjour à tous. J'ai mis une chemise, une cravate aujourd'hui. Pardon, pas de cravate, une chemise, une veste pour parler de monétisation, évidemment. Donc, je me présente, je m'appelle Marc Milowski, je suis Publisher Development Manager basé à Londres. Et avec Mélanie Vinquel, qui est Client Partner basé à Paris, on est le représentant en France d'Audience Network. Audience Network est la solution de monétisation pour les développeurs et les éditeurs. Elle a été annoncée pour la première fois
en 2014 au F8 à San Francisco. Et ça partait d'un constat simple, c'est qu'on avait les solutions pour les entrepreneurs, pour les aider à construire et développer leur entreprise sur Facebook et en dehors de Facebook. On pouvait les faire également grandir sur Facebook et en dehors de Facebook. Et on cherchait une solution pour les aider à monétiser en dehors de Facebook. Et un des premiers éditeurs qui nous a fait confiance, c'est l'application Shazam, qui a intégré au sein de son application des annonces natives Audience Network. On a transposé les annonces Facebook sur l'application Shazam directement. On sera disponible avec Mélanie tout à l'heure pour répondre à vos questions sur la monétisation, sur votre business model. Si vous avez des idées aussi pour développer des nouveaux formats, on a la chance à Londres d'avoir toute l'équipe d'ingénieurs Audience Network et l'équipe produit qui est basé avec nous, donc ils sont très, ils recherchent du feedback, donc si vous avez des idées, si vous avez des besoins de conseils, n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. La mission d'Audience Network découle logiquement de la mission de Facebook, c'est de créer des connexions pertinentes entre les personnes, les entreprises et vous, éditeurs. Donc pour les entreprises, la logique c'est de permettre aux entreprises donc de remplir leurs objectifs en dehors de Facebook, dans un environnement qui est stable et de qualité pour eux. Pour les personnes, pour vos utilisateurs, c'est de respecter l'expérience utilisateur au sein de votre application en leur proposant des formats innovants et aussi en les connectant avec des entreprises, avec des marques qu'ils aiment et qu'ils affectionnent. Et pour vous, éditeurs, c'est vous donner la possibilité d'avoir le contrôle sur les annonces qui sont diffusées et également générer du revenu. Je me suis dit qu'on allait focaliser sur les points forts d'Audience Network, tant qu'à faire. Donc on vous donne accès aux annonceurs de Facebook dans le monde entier, donc les 5 millions d'annonceurs aujourd'hui qui sont présents sur la plateforme Facebook. On a des publicités ciblées et de qualité. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'utilisateur est en effet voit des annonces qui lui correspondent et qui ont un design plutôt intéressant et donc des marques qui lui plaisent. On a des formats innovants et des formats traditionnels. On a lancé, je vais vous présenter tout à l'heure tous les formats qu'on a de disponibles sur Audience Network, mais évidemment, donc, on a des formats qui sont classiques et le fait que les annonceurs Facebook puissent sélectionner et ont différents assets disponibles pour leurs annonces permettent de créer des annonces natives. Donc à partir de ces différents assets, vous pouvez structurer des annonces sur Audience Network et adapter l'annonce au look and feel de votre application, de votre site mobile web, par exemple. En termes de technologie, on sait que c'est très lourd pour certains développeurs d'ajouter des SDKs, notamment sur la publicité, où c'est parfois très lourd. On a un SDK qui est ultra léger, un des plus légers du marché, qui ne pose aucun problème de diffusion ou sur les annonces. Concernant les taux de remplissage et les CPM, ils sont assez compétitifs en France et partout dans le monde. On a également des outils qui vous permettent de contrôler. Maintenant, on a lancé récemment le CPM Target, qui vous permet qu'il y ait une sorte de prix plancher pour Audience Network. Vous pouvez choisir le CPM que vous voulez, le minimum que vous voulez sur votre application, et on s'engage à diffuser au minimum ce CPM, et si possible au-dessus, avec le fill rate au maximum que vous pouvez obtenir. Sur la prise de décision rapide, donc tout est hosté dans nos serveurs Facebook, ce qui permet notamment sur la diffusion de vidéos. On sait que la diffusion, les annonces vidéo sont souvent très lourdes, les créas sont très grosses et ça crée beaucoup de latence. Le fait que tout soit hosté sur les serveurs Facebook nous permet d'avoir une diffusion fluide et efficace. Enfin, sur l'éducation et l'optimisation, on a un centre d'aide Audience Network. Évidemment, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour vous lancer. Et on a aussi un blog qui est hyper intéressant puisqu'on est une petite équipe, mais tout le monde participe à ce blog. On a nos équipes sales, nos account managers, nos équipes produits, nos ingénieurs qui partagent les meilleures pratiques qu'ils ont vues avec leurs éditeurs, qui partagent les nouvelles tendances du marché et qui sont toujours à la recherche de feedback si vous avez des idées. Les différents formats disponibles sur Audience Network, je vais vous les évoquer maintenant. Donc on a des formats qui sont plutôt standards. Tout le monde a déjà vu cette petite bannière en bas d'une application.
Ça paraît un peu archaïque, mais c'est toujours un format qui est très développé et qui existe beaucoup, donc c'est disponible sur les applications. On a comme autre format standard un format qui est sur le web mobile, qui est un format 300x250, c'est des rectangles qu'on voit sur le web mobile, qui est disponible uniquement via header bidding. Le header bidding, si vous ne connaissez pas, c'est la possibilité pour Facebook de vous communiquer en temps réel le prix qu'on est prêt à payer pour l'annonce à un instant T, et vous, dans votre chaîne de valeur, dans votre waterfall, vous pouvez choisir l'endroit auquel vous voulez diffuser l'annonce en temps réel. Donc ça permet une meilleure compétition, et, enfin une compétition plus saine. Les formats natifs, je les ai expliqués tout à l'heure, c'est disponible dans les applications. Donc là, on a un bon exemple du format natif intégré dans une application. Les interstitiels, c'est un format qui paraît classique, qu'on a optimisé vraiment pour remplir les objectifs de nos annonceurs. C'est un format qui diffuse des images ou des carousels ou aussi des formats vidéo en autoplay ou en click-to-play. Un des derniers formats qu'on a lancé, c'est la rewarded vidéo. La rewarded vidéo, si vous ne connaissez pas, j'imagine que vous avez tous joué peut-être à Candy Crush ou un jeu similaire. Ça vous permet de vous jouer, vous avez vos 5 vies, et à la fin de vos 5 vies, vous êtes un peu frustré parce qu'il vous faut un peu de temps avant de pouvoir rejouer, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le format rewarded vidéo permet de récompenser l'utilisateur. L'utilisateur regarde une vidéo de maximum 30 secondes et au bout de ces 30 secondes, se voit offrir 5 vies supplémentaires, ce qui lui permet de continuer son expérience et de continuer son jeu. Donc ça ne casse pas l'expérience utilisateur et ça permet de monétiser également les utilisateurs qui ne sont pas prêts à payer via in-app purchase, qui ne sont pas prêts à payer pour avoir plus de nouvelles features. C'est un format qui est principalement disponible sur les applications de gaming aujourd'hui, mais qui peut très bien se développer sur d'autres sites, notamment les sites de news. Imaginons, vous donnez accès à vos utilisateurs aux 5 premiers articles gratuitement. Vous pouvez très bien continuer et leur donner accès, s'ils regagnent une vidéo, à des articles supplémentaires. Donc ce format est disponible sur les applications. Un dernier format qu'on a, c'est la vidéo in-stream. La vidéo in-stream, c'est le seul format qui est disponible donc, sur les applications, qui est disponible sur le web mobile, mais qui est également disponible sur le desktop. Ça vous permet de monétiser donc, votre contenu vidéo en pré-roll ou en mid-roll. Deux formats que je n'ai pas évoqués, qui sont disponibles, mais c'est sur Facebook. Audience Network est utilisé aussi pour monétiser les instant articles et récemment annoncé les instant games. Donc voilà, la monétisation est possible via la solution Audience Network aussi. Deux exemples de success story qu'on a sur Audience Network. Donc le premier, c'est deux éditeurs avec lesquels on travaille. Le premier, c'est Pretty Simple. Je ne sais pas si vous connaissez l'application, le jeu Criminal Case, qui est un jeu d'enquête en ligne. Ils travaillaient depuis longtemps avec le format Rewarded Video que j'ai évoqué, et ils ont choisi d'intégrer Audience Network. C'est un des premiers partenaires qui est en alpha avec nous sur ce produit. Et grâce à Audience Network, donc on voit ici l'application, donc vous voulez plus d'énergie, vous avez la possibilité de payer, mais vous pouvez aussi regarder une annonce. Donc là, on a une annonce qui est clairement de gaming et qui va sûrement diriger vers une app install. On pourrait très bien imaginer, comme les utilisateurs sont engagés, des annonces plutôt branding qui recherchent à mettre en avant l'image de marque. Pretty Simple a vu ses CPM augmenter de 20% grâce à l'intégration des formats rewarded vidéo via Facebook Audience Network. Edging, qui est une application de musique numéro 1 DJ en France, a vu son revenu multiplié par 2 grâce au format natif qu'on voit ici intégré, si vous voyez la publicité Guilt sur l'écran, et les formats interstitiels. Donc c'est pas négligeable, multiplier ses revenus par 2, c'était vraiment un bon exemple de succès avec Audience Network. Pour se lancer sur Audience Network, c'est très simple. Tout est intégré aujourd'hui au sein du Business Manager. On a lancé une sous-rubrique du Business Manager qui s'appelle le Monetization Manager. Dedans, vous avez la possibilité donc, de créer vos emplacements publicitaires. Il vous suffit ensuite de tester vos publicités. On a les outils qui vous permettent de tester en amont pour être sûr que tout est bien diffusé, qu'il n'y a aucun problème de diffusion et dans votre application. Ensuite, on valide évidemment l'inventaire, puisqu'on souhaite que l'inventaire reste de qualité pour nos annonceurs. Et enfin, vous entrez vos informations de paiement et vous pouvez être rémunéré. Voilà, c'était assez succinct. C'est une présentation rapide sur les solutions. Il y a beaucoup de différentes stratégies qui sont disponibles sur Audience Network. Via Audience Network,
On travaille avec Mélanie depuis quelques années maintenant avec beaucoup d'éditeurs. Donc on a quelques conseils, on a quelques idées si vous voulez souhaitez monétiser vos applications ou vos sites web mobiles. N'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. Et comme je le disais, partagez-nous votre feedback ou vos idées sur les nouveaux formats qu'on pourrait développer à l'avenir parce qu'on essaie d'innover tous les jours avec du côté de la monétisation. Je vous remercie, je passe la parole à Caroline. On va changer un petit peu de sujet. On va, en fait, vous m'entendez très bien, même sans micro. On va parler des programmants. Donc, en fait, Facebook a vraiment à cœur de soutenir l'économie et les écosystèmes locaux. Ce qu'on essaye de faire donc, quotidiennement, c'est de réfléchir à comment on peut investir sur le long terme le mieux possible auprès des acteurs de l'économie. On a déjà des projets avec les PME en région, mais on a aussi tout un axe qui concerne l'innovation et donc les acteurs de l'innovation et ce qu'on appelle des multipliers, c'est-à-dire des gens avec lesquels on a envie de collaborer pour pouvoir créer des projets, on a envie de les aider à multiplier leur impact et à évoluer et à les aider à accompagner leur développement. Donc ces personnes, c'est en fait les start-up à fort potentiel, les entrepreneurs en herbe et les développeurs. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de développer différents programmes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des programmes qui sont actifs en France. Donc Developer Circle, Facebook Start et Startup Garage. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un des programmes ? Ok, c'est pas mal. Alors, les Developer Circle, c'est un projet qui est né il y a un peu plus d'un an pour soutenir les communautés de développeurs à travers le monde. Qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est un groupe de développeurs dans une ville qui sont en fait des développeurs plus ou moins expérimentés qui ont envie d'apprendre, de collaborer et d'échanger. Comment ça fonctionne ? Facebook va aller identifier un développeur qui a envie de fédérer une communauté autour de lui, bénévole, et on va essayer vraiment de lui donner tous les outils pour qu'il puisse donner du pouvoir à cette communauté. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, il va organiser des événements et animer une communauté en ligne. Ce sont des groupes qui sont complètement ouverts, des groupes qui sont accueillants, où on peut parler de tous les sujets technologiques, liés au code. Il n'y a absolument pas de besoin de parler d'un sujet Facebook. L'objectif, c'est vraiment de partager des connaissances et des compétences liées au développement. Comment, en fait, Facebook soutient ces initiatives ? De plusieurs manières. En fait, il y a d'abord des infrastructures. Donc, on va fournir la plateforme Facebook avec des outils un petit peu particuliers pour gérer le groupe en ligne et animer la communauté. On construit des contenus éducatifs. On a notamment lancé, je vous en parlerai un petit peu plus, tout un programme par rapport à l'intelligence artificielle. Donc en fait, on va faire venir des experts, des speakers de chez Facebook et créer du contenu et des ressources pédagogiques pour les développeurs qu'on va faire parvenir dans les groupes. Et on va leverager en fait sur l'écosystème local avec lequel on crée des liens quotidiennement, que ce soit les accélérateurs, les incubateurs, les espaces de coworking, tous les réseaux qu'on a déjà dans les pays. On va donc pouvoir mettre ces développeurs en lien avec ces réseaux-là. Pour vous donner un exemple, en fait, donc ça c'est la communauté de Lagos, par exemple. C'est assez chouette. Innocent, c'était la personne qui a commencé à faire le Developer Circle. C'est un jeune homme qui est absolument passionné de développement et qui a commencé très rapidement à grossir sa communauté. Et aujourd'hui, il y a plus de 1500 membres en fait, dans la ville qui se rejoignent tous les mois pour parler de différents sujets. On a développé spécifiquement pour les Developer Circle comme des features en fait, qui sont liées au groupe. Donc là, en fait, c'est comment on peut partager des ressources pédagogiques directement en ligne dans le groupe. Donc ça, c'est un exemple des meet-up. Une fois qu'en fait, les gens se retrouvent, parce que pour nous, c'était vraiment important que les gens puissent se retrouver physiquement et échanger. Ce n'est pas seulement un groupe en ligne et une communauté en ligne. Là, c'est le Developer Circle de Paris qu'on a lancé cette année. On est passé de 150 membres à plus de 250 aujourd'hui.
Je vous invite à le rejoindre si ça vous intéresse. Donc c'est, l'idée là, c'est vraiment de parler de la première conférence était sur les messenger bots. Il y avait messenger bots, mais il y avait aussi d'autres types de bots. Il y a aussi d'autres types de technologies. C'était sur React, bots. On parlait aussi d'intelligence artificielle. Donc, pourquoi rejoindre un développeur circle? Comme je vous disais, il y a l'opportunité de, en fait, de connecter avec d'autres développeurs. Le fait de rencontrer des experts locaux que les différents membres de la communauté vont amener dans les meet-up. La découverte de nouvelles technologies et les opportunités qui sont liées en fait, au fait de se retrouver tous ensemble. Donc, il y a des personnes qui vont recruter dans ces, des collaborateurs dans ces meet-up. On a aussi des nouveaux projets qui naissent, des nouvelles start-up qui naissent à travers des collaborations à l'intérieur de ces groupes. Alors, ce que ça n'est pas, et ça c'est assez important, donc ce n'est pas un partage d'informations unilatéral, c'est-à-dire que on n'est vraiment pas là pour dire, pour choisir le sujet. Donc Facebook est complètement agnostique par rapport au sujet et ce n'est pas du tout le rôle. C'est vraiment l'individu qui va, enfin le lead qui va décider du sujet avec sa communauté. Et l'idée, c'est vraiment que les gens échangent entre eux. Donc ça fonctionne vraiment comme un forum. Ce n'est pas un endroit pour discuter de sujets qui ne sont pas techniques. Donc c'est vraiment destiné à des développeurs et au sujet du code. Ce n'est pas non plus un endroit pour faire des discours promotionnels, donc on essaye vraiment d'éviter tout ce qui est sales speech et opportunité de mettre en valeur une marque particulière et également une organisation. C'est pour ça que ce n'est pas une école de code, ce n'est pas un accélérateur qui gère le programme, c'est vraiment un individu ou plusieurs. Aujourd'hui, il y a plus de 85 groupes dans le monde, sur tous les continents. Ça représente plus de, je crois que les chiffres même d'ailleurs, c'est plus de 50 000 développeurs qui font partie de ces communautés dans 45 pays. Et au niveau des projets qu'on a pu lancer depuis, il y a eu toute une journée de hackathon qu'on a fait autour des chatbots. On a lancé récemment un programme de 5 workshops sur l'intelligence artificielle. Donc on va du speech recognition jusqu'à vision, jusqu'à NLP, pour vraiment essayer de partager l'expertise que Facebook a par rapport à l'intelligence artificielle, avec des Q&A qu'on a diffusés à tous les développeurs circles d'Europe, de Moyen-Orient et d'Afrique. Et il y a des projets, des superbes success stories qui naissent en fait de ces communautés. Un deuxième programme qu'on a, qui est en fait le plus ancien que certains d'entre vous connaissent, c'est Facebook Start. Facebook Start, c'est donc un programme de soutien en ligne pour les développeurs d'apps et de bots. Il y a deux tracks. Une option qui est celle de base, c'est-à-dire pour les startups qui sont vraiment très early stage. Et la deuxième, c'est l'option d'accélération dès qu'on a en fait une croissance un peu plus soutenue sur plusieurs mois, plusieurs années, qui correspond à un mieux. La différence, en fait, c'est pas exactement le type de service et d'offres et de discount fournis. Il y a également en fait des prix qui sont décernés, qui sont de montants différents. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un portail web avec lequel vous avez vous avez accès à des outils et des ressources pour communiquer avec justement les autres développeurs d'app. C'est des office hours mensuels avec des experts techniques sur vos problématiques produits par rapport à votre app. Et c'est une communauté avec des événements qu'on organise régulièrement partout dans le monde. L'avantage de Facebook Start, c'est qu'on va avoir négocié en avance des partenariats avec un certain nombre d'entreprises que vous voyez ici. Il y en a d'autres. C'est aussi adapté localement. L'objectif là, c'est d'offrir en fait aux startups et aux développeurs qui n'ont pas forcément toujours les moyens de payer ce type de service, l'opportunité d'avoir des discounts et des réductions avec tous ces partenaires. Facebook Start, c'est aussi en fait un concours, une compétition qu'on fait tous les ans, où on va récompenser l'application et le bot la plus innovante et la plus performante, avec des montants allant jusqu'à 145 000 euros. Donc il y a un prix mondial, il y a aussi des prix régionaux. Alors pour démarrer,
Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller sur Facebook Start. On a la chance ce soir d'avoir, enfin ce soir, ce matin, pardon, d'avoir un Facebook Start code qui est juste celui-là, si vous voulez vous en servir. Ça vous permettra d'accéder directement à la plateforme. La sélection n'est pas extrêmement restrictive, donc je vous invite vraiment à y aller et à avoir directement accès à tous les services. Maintenant, je vais vous parler de Startup Garage, qui est un projet en fait, le plus récent. C'est un projet qu'on a lancé, on a annoncé avec Cheryl en janvier, mais on l'a lancé en septembre. Et là, c'est vraiment comment on peut aller beaucoup plus loin pour accompagner les startups en investissant physiquement dans un espace et dans un accompagnement sur mesure avec un petit nombre de boîtes. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, Startup Garage à Paris, c'est 6 mois de programme pour les startups qui sont dans une phase, il y a du early stage, mais il y a aussi du late stage. Il y a des boîtes qui ont levé 100, 200 000, il y en a d'autres qui ont levé 10 millions, donc pour vous dire, c'est assez large. Il y en a qui ont 3 personnes, il y en a qui en ont 35, mais elles ont toutes en fait une problématique qu'on a bien identifiée en amont, sur laquelle on va pouvoir travailler pendant le programme. La particularité qu'elles ont, en fait, c'est que la thématique du programme, c'est la donnée personnelle, c'est-à-dire comment une start-up collecte de la donnée personnelle et crée de la valeur avec ces données en remettant l'utilisateur en contrôle de ces informations. C'est un programme qui a donc lieu à Station F, comme vous pouvez voir, et qui est entièrement géré par Facebook. Ça, c'est toutes les choses. En fait, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut avoir, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement le Startup Garage. Aujourd'hui, on a 12 startups. Et chaque startup a un mentor qui lui est dédié, qui a été choisi pour elle. C'est un exemple ici, vous avez un exemple de 4 de nos super mentors. L'objectif, c'est donc qu'ils passent du temps régulièrement avec les boîtes pour les aider à améliorer leurs KPIs, pour les aider à comprendre quels sont les enjeux. Pour vous donner un exemple, Anand, qui est Product Growth sur Messenger, il travaille avec Jam, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un chatbot sur Messenger pour votre friendly companion, votre compagnon qui va vous donner des astuces tous les jours pour améliorer votre quotidien. Et donc là, l'objectif, par exemple, ça va être comment améliorer la rétention, comment augmenter l'acquisition sur Messenger. Alim, pour vous n'en citer que quelques-uns, et donc il est product manager, et il va accompagner The School Project, qui est un tout jeune projet en éducation, en edtech. Et donc là, c'est comment aider The School Project à créer une plateforme en ligne qui corresponde aux besoins des professeurs, en l'occurrence c'est des enseignants. Et donc tout le travail que va faire Alim, c'est de les aider sur l'aspect produit et itération produit. Victoria Young, elle accompagne Welcome to the Jungle sur l'aspect marketing digital. Et Constantinos accompagne Reminder, qui est une start-up autour du recrutement avec une forte brique d'intelligence artificielle destinée aux HR des grosses entreprises sur justement la croissance business de la boîte et l'implantation aux États-Unis. Au slide d'avant, par rapport au mentoring, ce qui est important également, c'est que donc tous ces mentors-là sont évidemment de partout dans le monde. On n'est pas du tout focus juste sur la France. C'est une incroyable opportunité qu'on a avec ce projet de pouvoir faire venir des gens d'à peu près tous les bureaux de Facebook. La deuxième partie en fait, du mentorat, c'est celle que va faire l'équipe Platform Partnerships qui est là aujourd'hui pour vous aider à éventuellement, s'il y en a, mais ce n'est pas du tout obligatoire, imaginer des ponts entre les produits Facebook et vous et voir comment leverager sur ce que développe Facebook à travers votre entreprise. Startup Garage, c'est aussi évidemment une communauté qui est assez soudée pour que ce soit en fait par rapport au fait qu'on est tous ensemble en même temps dans les bureaux. Il y a des startups qui sont là en présentiel, il y en a d'autres qui sont, parce qu'elles ont des plus grands bureaux, là quelques jours par semaine, donc c'est pas du tout un critère éliminatoire. Évidemment, la communauté de Station F, aujourd'hui à Station F, il y a à peu près 4000 personnes, que ce soit des VC, des services publics, des entrepreneurs,
C'est une communauté qui est en train vraiment de s'animer et d'être de plus en plus solidaire. Et c'est l'accès à la communauté internationale de Facebook. Bon, là, on a eu la chance de recevoir Nicolas Mandelson et David Marcus, donc, qui est le VP Messenger, à Startup Garage. C'est vraiment l'unique opportunité d'avoir accès à peu près qui vous voulez en fait, à l'intérieur de Facebook. Ce que le Startup Garage aussi apporte, en fait, presque de manière indirecte, mais je sais que c'est aussi important pour les startups, c'est de la visibilité. Notamment parce qu'on a la chance d'avoir l'opportunité de recevoir certaines personnalités qui peuvent être influentes pour votre business. Là, par exemple, Reminder avec Xavier Niel et le président du MEDEF, parce que l'objectif pour lui, c'était justement de pouvoir parler à plusieurs grosses entreprises. Et donc, c'était l'opportunité hyper impactante pour lui. On a aussi la chance d'avoir pas mal de visibilité à travers les relations presse. Et on vous aide, en fait, on vous forme aussi, enfin, vous, on forme les startups à s'y préparer et à être capable de parler devant la presse. Une grosse part du programme, en fait, c'est les ateliers. Donc en fait, toutes les semaines, on a un workshop sur deux grandes verticales. Une qui est vraiment plus liée à la croissance business et à l'entrepreneuriat, avec des interventions d'experts, par exemple des chercheurs en expérience utilisateur, des experts sur le recrutement et la culture en entreprise. On a eu aussi Eric Nakagawa qui est venu parler de viralité. Et donc ça, c'est tout type de workshop qu'on va, où c'est uniquement des Facebookers qui viennent faire les workshops, et c'est aussi des choses qu'on discute avec les startups pour sentir quel est le besoin commun. On a une track qui est liée à la thématique, qui est donc Privacy by Design, où là, on va accompagner les boîtes à comment, dès la conception du produit, intégrer tout ce qui est confidentialité, transparence et création de relations de confiance avec l'utilisateur. Donc on a des personnes, on a des équipes entières dédiées à ce sujet chez Facebook. Donc on va faire venir des designers, des product managers pour parler de ça. On a aussi eu la chance d'organiser un atelier avec la CNIL qui est venu expliquer un peu plus qu'est-ce que c'était les nouvelles réglementations liées aux données personnelles, donc le RGPD qui arrivera en 2018, et comment, quand on est une start-up, s'y préparer. Comment postuler ? Évidemment, je serai là pour répondre à toutes vos questions, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. Je ne veux pas passer trop de temps sur les critères de sélection, vous en avez quelques-uns ici. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Startup Garage, c'est là qu'on communique à peu près tout. Le questionnaire sera très bientôt en ligne, je pense début 2018, pour une deuxième saison qui commencera en avril. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, merci à tous. Et donc, je vais laisser la parole à Mustapha pour vous parler d'intelligence artificielle. Bonjour, donc, voilà. Je suis Mustapha et je suis chercheur au laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Je vais vous parler de ce que nous faisons dans ce laboratoire et pourquoi nous le faisons. Donc, voici une photo de la ville de New York, le Fifth Avenue, à New York à la fin du 19e siècle. Donc, à la fin du 19e siècle, la ville de New York a convoqué un congrès dont le but, c'était de réfléchir sur le futur des villes, des grandes villes du monde. Donc, il y avait des urbanistes, des statisticiens, des gens dont l'expertise est plutôt tournée sur la planification et l'organisation des grandes villes, etc. Et le but, c'était vraiment de réfléchir sur ce que seraient les grandes villes du monde dans 50 ans. Donc, le congrès était initialement prévu pour durer 10 jours. Au bout de 3 jours, les chercheurs se sont réunis et ont remis les conclusions aux autorités de la ville. Et les conclusions étaient sans appel. C'était que dans 50 ans, la ville de New York n'existerait plus.
Et en fait, ce constat n'était pas uniquement valable pour la ville de New York. Il disait en gros que toutes les grandes villes, New York, Londres, etc., subiraient le même sort. Et les conclusions étaient vraiment scientifiques parce que ce que disaient les chercheurs, c'était que ils avaient observé les données qui leur donnaient la croissance de la population. Et donc ils ont interpolé et ils ont dit que vu la vitesse à laquelle évolue la population de New York, le nombre de chevaux qu'il faut pour transporter tous ces habitants de la ville de New York, la quantité d'excréments et d'urine produits chaque jour par ces chevaux, les mouches que ça attire ne sont pas compatibles avec la vie humaine. Et par conséquent, conclusion purement scientifique, ils en ont conclu que dans 50 ans, la ville de New York n'existerait plus. Et en fait, la donnée qu'ils n'ont pas prise en compte, c'est que quelques centaines de kilomètres plus loin, à Dearborn, dans le Michigan, cet homme, Henry Ford, était en train de mettre en place une fabrique de voitures. Et 20 ans plus tard, 20 ans après ce congrès, il y avait plus d'une centaine de fabriques de voitures à New York, plus aucune calèche. Et là, voici une photo de 5e avenue de New York aujourd'hui. La ville de New York existe bel et bien, et nous y allons quelquefois. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que le pouvoir de transformatif qu'a eu la voiture à ce moment-là n'est pas différent que celui qui est en train d'avoir l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tous les plans qui sont faits dans les entreprises, dans les politiques publiques, et qui ne prennent pas en compte le changement de paradigme qui est en train de s'opérer ne sont pas différents des prédictions qui ont été faites par les chercheurs au moment où ils ont fait ce congrès. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte la donnée fondamentale qui est le changement de paradigme. Et par conséquent, toutes les sociétés, à mon avis, et toutes les politiques publiques qui ne prennent pas en compte ceci, sont vouées à disparaître comme les calèches, en fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à Facebook, on investit sur l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2013, le laboratoire d'intelligence artificielle existe. Il est ouvert sur 4 sites. Il y en a un à Menlo Park, où se trouve le siège social, un autre à New York, un ici à Paris, où je travaille, et un autre à Montréal, qui est ouvert depuis quelques mois maintenant. Donc, on est une équipe de plus d'une centaine de chercheurs et d'ingénieurs, et nous accueillons aussi des doctorants qui travaillent avec nous en thèse CIFRE. C'est une équipe très internationale qui compte plus de 20 nationalités. Je crois que ce chiffre est très sous-estimé, en fait, maintenant. Donc, notre mission principale, c'est de faire avancer l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, nous pensons que pour que tout le monde puisse profiter des progrès technologiques actuels, il faut qu'il y ait des laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qu'ils mettent à disposition du plus grand nombre la technologie qui existe. Donc, nous travaillons sur les défis les plus importants de l'intelligence artificielle. Nous publions absolument tous nos travaux. Nous mettons à disposition tout le code que nous écrivons, à disposition du plus grand nombre, de telle sorte à créer une émulation positive à ce que les développeurs indépendants puissent travailler sur le code qu'on a nourrilisé pour créer des produits et créer un cercle vertueux qui profite à tout le monde. Donc on travaille sans aucune pression. S'il y a des gens qui sont intéressés par la recherche ici, le graal du chercheur, c'est de n'avoir aucune contrainte, aussi bien financière, technique et d'agenda. À Facebook, Facebook et iResearch, on a juste aucune de ces contraintes, donc on est libre d'établir notre agenda, de décider les sujets sur lesquels on va travailler, de les choisir de telle sorte que ce soit les sujets les plus ambitieux possibles. Et ceci étant dit, on a accès à des ressources de calcul très importantes, qui sont très rares dans le milieu académique, par exemple, qui sont importants pour les projets qu'on réalise. Donc on a établi aussi un certain nombre de partenariats avec des laboratoires publics, comme le CNRS en France, le Montreal Institute of Learning Algorithms au Canada, UCLA, à l'ENS ici, NYU, où est aussi professeur le directeur de notre laboratoire, Yann Lequin, et beaucoup d'autres instituts. Donc, voici la feuille de route sur 10 ans
de Facebook en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, nous faisons de la recherche, mais la recherche que nous faisons profite aussi à certains produits de l'entreprise, de la même façon que ça profite à des produits en dehors de l'entreprise par le biais du code et des publications que nous faisons. Donc, en particulier, nous travaillons sur des problèmes de langage, de vision, de raisonnement, de planification, mais aussi il y a des projets un peu plus long terme sur la connectivité, etc. Donc voici les quatre principaux axes, de recherche en intelligence artificielle sur lesquels nous travaillons à Facebook. Ces axes se décomposent comme suit. Nous travaillons sur des problèmes de perception, des problèmes de compréhension et d'apprentissage, des problèmes de prédiction et des problèmes de planification. Alors chacun de ces piliers est absolument important pour réaliser l'intelligence artificielle dont nous rêvons. Parce que notre but à faire, c'est de résoudre l'intelligence et après l'avoir résolu, de le mettre à disposition du plus grand nombre et de faire en sorte que ça profite à tout le monde. Donc chacun de ces piliers est très important dans ce but. Donc les problèmes de perception, c'est l'exemple le plus emblématique que je peux en donner, c'est celui-là. Voici une vidéo très ancienne de Yann Lequin, quand il a développé le premier réseau de neurones qui était utilisé pendant des années pour traiter des chèques. Dans les années 90, ça a lu des millions et des millions de chèques. C'était dans les années 90, c'était ce qu'on appelait les débuts des convolutional neural networks, ce qu'on appelle maintenant le deep learning, qui était très populaire à l'époque et qui, par la suite, a été dominé par d'autres modèles avant de revenir en force maintenant. Donc ça, c'est typiquement une tâche de perception. Parce que l'être humain réalise ses tâches. Lorsqu'on vous montre des chiffres, vous pouvez les lire et savoir exactement ce que ça veut dire. Mais par contre, vous ne pouvez pas décrire comment vous savez ce que c'est. Vous en avez juste vu assez, vous avez fini par associer les concepts et aux patterns que vous voyez. Et donc, ce sont des tâches qui sont considérées généralement comme banales par les êtres humains, mais qui sont très difficiles à retranscrire sur une machine parce que vous ne pouvez pas les décrire de façon algorithmique. Donc, des tâches comme ça ont été un défi important dans l'intelligence artificielle pendant longtemps, jusqu'à récemment où il y a eu des progrès importants sur les 5 dernières années, les 5 ou 10 dernières années. Par exemple, sur une image comme ça, si vous montrez une image comme ça en 2012, au meilleur modèle qui existe, au meilleur réseau de neurones qui existe, le réseau pourrait vous dire à cette période-là qu'il y a une personne sur l'image. C'était déjà considéré comme un achievement très très important. Alors, plus récemment, en 2015, des chercheurs à Microsoft Research ont réussi à développer des modèles qui, au-delà de vous dire qu'il y a un chien, une personne, etc., font aussi ce qu'on appelle une segmentation, vous disent où se trouve exactement l'objet identifié, l'objet dont on parle. Et plus récemment, des chercheurs à Facebook ont réussi à développer des modèles, des collègues, des modèles qui identifient des objets plus complexes, des interactions plus complexes, et ce qu'on appelle le state of the art, c'est-à-dire les meilleurs modèles existants aujourd'hui qui ont été développés dans notre laboratoire à Facebook AI Research, non seulement vous donnent la totalité des concepts qui sont présents sur une image, mais les segmentent, mais aussi s'il y a des êtres humains, vous donnent une estimation de la pose, qui est aussi le squelette, etc. Alors, ces choses-là peuvent sembler abstraites, mais elles ont des implications et des applications très très importante en pratique. Par exemple, sur une vidéo, vous pouvez suivre un être humain en mouvement et à cause, grâce à l'estimation de la pose, déterminer les actions qui sont effectuées par cet être humain, etc. Vous pouvez aussi, ces applications profitent aussi à des logiciels ou à des applications de vision par ordinateur où vous pouvez reconnaître qui est sur une vidéo, qu'est-ce que fait la personne, etc., juste en utilisant la segmentation et l'estimation de la pose. Ça permet aussi d'éditer des vidéos en temps réel, par exemple, une fois que vous avez segmenté, vous pouvez faire disparaître ce que vous voulez sur une vidéo, des applications de ce type. Oups. Voilà. Donc, c'est aussi possible d'utiliser des choses comme ça pour faire de la réalité augmentée, ou de la réalité virtuelle. Donc, par exemple, sur cette image que vous voyez, vous,
mettez juste votre téléphone devant votre table et ça vous dit, ça vous dit de quel vin il s'agit, ça vous dit si vous devez arroser la plante qui est derrière, etc. C'est des applications qui peuvent être intéressantes dans plusieurs domaines. Voilà. Donc la perception est une partie de l'intelligence. Mais les êtres humains font beaucoup plus que ça. Nous comprenons des choses, nous comprenons des concepts, et sur la base de ces concepts, nous inférons de nouveaux concepts. C'est-à-dire que nous faisons du raisonnement. Et il est possible maintenant de faire en sorte que la machine, de doter la machine des mêmes capacités, de capacités de raisonnement qui sont similaires à celles qu'on peut rencontrer chez des êtres humains ou chez des êtres humains qui ne sont pas encore adultes. C'est des techniques qui, jusqu'à très récemment, étaient assez balbutiantes, mais qui ont connu une accélération fulgurante récemment. Et donc, par exemple, si vous montrez une photo comme ça à un ordinateur, nous avons des modèles qui peuvent vous décrire exactement ce qui se passe dans l'image, au lieu juste de vous dire qu'il y a une personne, vous dire qu'il y a une personne qui est en train de surfer sur une vague avec une planche de surf, par exemple. Ou alors, il y a une girafe debout dans l'herbe près d'un arbre. Alors, ces choses-là sont très, très importantes. Par exemple, à Facebook, ceci est utilisé pour améliorer l'accessibilité de la plateforme à des personnes qui ont une vision qui est limitée, par exemple, aux États-Unis. Donc, ça leur permet de suivre ce qui se passe sur l'application, de savoir ce qui se passe sur les photos qu'on leur envoie, etc. Donc, bien évidemment, ces choses-là ne sont pas parfaites. Donc, voici des failure cases assez amusantes. Mais nous y travaillons. Alors ça, c'est des exemples intéressants parce que ça montre où nous en sommes par rapport à l'être humain. Parce que ça, vous montrer n'importe quelle une photo comme ça à n'importe quel être humain, même à un enfant, ne donnera jamais une caption comme ça. Pourquoi ? Parce que nous avons ce qu'on appelle le common sense. C'est-à-dire on a acquis une somme de connaissances importantes que nous réutilisons en partie devant chaque décision. Donc, et ce n'est pas encore le cas de la machine, et c'est des choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Voilà. Donc, en plus du raisonnement sur les images, nous travaillons aussi à ce que peut être considéré comme des déductions logiques. C'est-à-dire que lorsque vous lisez une histoire, lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, vous pouvez, après lui avoir lu l'histoire, vous pouvez l'interroger sur cette histoire, lui dire qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et l'enfant est toujours en capacité de vous répondre. Alors, encore une fois, c'est des choses qui peuvent paraître banales pour un être humain, mais qui sont très très difficiles à reproduire sur une machine. Et c'est des problèmes de raisonnement comme ça sur lesquels nous travaillons aussi. Donc, par exemple, il y a quelques années, on a commencé par faire des problèmes très simples, hein, genre celui-là, John est dans l'aire de jeu, John a repris le ballon de foot, Bob est allé dans la cuisine, et où est le ballon de foot ? Voilà. Des problèmes simples comme ça, que la machine arrivait plus ou moins à résoudre, ça s'appelait les baby tasks, donc c'était vraiment très, très balbutiant. Donc ça c'est 2015, ça ne date pas très longtemps, et donc quelques mois plus tard, des chercheurs à Facebook ont développé un modèle qui s'appelle le Memory Network, qui permet de résoudre des problèmes de raisonnement simples, comme ça, qui peuvent avoir des applications diverses dans la vie. Et ils sont passés à des problèmes qui sont plus ambitieux, genre celui-là, la cuisine est au nord de l'entrée, la salle de bain est à l'ouest de la chambre, le cellier est à l'est de l'entrée, le bureau est au nord de la chambre à coucher. Comment vous rendez-vous du cellier à la cuisine ? Et donc, vous voyez, c'est des tâches un peu plus compliquées que la précédente. Et de fil en aiguille, en fait, des tâches beaucoup plus compliquées ont été résolues. Et donc, on est passé de ce qu'on appelait les baby tasks à des livres pour enfants. On a donné à la machine à lire des livres pour enfants en entier. Et on a fait exactement ce que font les parents avec leurs enfants après leur avoir lu une histoire. On leur demande à peu près tout ce que vous voulez sur l'histoire. Et la machine arrive aussi à répondre... généralement très bien à toutes ces questions-là. Donc un projet beaucoup plus ambitieux sur lequel nous travaillons maintenant, c'est de travailler sur des algorithmes et sur des modèles qui peuvent répondre à n'importe quelle question que vous leur posez. Parce que la somme des connaissances que nous avons, en tout cas une partie très importante de ces connaissances sont disponibles sur Internet, par exemple sur Wikipédia. Si une machine est capable de lire et de comprendre tout ce qui se passe sur Wikipédia,
elle doit être en mesure de répondre à la majeure partie des questions que vous lui poserez. Et donc, c'est les choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Il y a des avancées très importantes qui ont été faites. Et par exemple, ça s'appelle Dr. QA, by the way. Donc, vous pouvez poser à la machine des questions comme ça, ou alors sur cet exemple ici, qui est un vrai exemple, lui dire qui a inventé les convolutional neural networks. Et la machine vous dira, je pense que c'est Yann LeCun, mais je ne suis pas très sûr. Parce qu'effectivement, en plus de répondre à la question, elle peut donner un degré d'incertitude associé à sa réponse, qui peut être important dans certaines applications aussi. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la perception, du raisonnement, et maintenant, je vais vous parler des travaux que nous faisons en prédiction. Alors, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je pense que l'essentiel de notre... en tout cas, un élément important de notre intelligence, c'est notre capacité à prédire ce qu'on ne voit pas ou ce qui va se passer. Parce que si on a une information complète sur un sujet, c'est toujours possible de raisonner. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas une information complète sur un sujet? Si on voit en partie quelque chose, est-ce qu'on peut inférer ce qui se passe dans la partie où on ne voit pas? Et donc ça, c'est les tâches de prédiction. C'est un composant essentiel de l'intelligence. Et une des tâches qui permet d'étudier des choses comme ça, c'est si vous regardez ces visages-là, aucun de ces visages n'existe réellement. En réalité, nous avons entraîné des machines en leur montrant des choses comme ça. Et la machine décide de compléter l'image à sa guise. Et en fait, les images pleines que vous voyez, les images de face qui sont pleines que vous voyez, en réalité n'existent pas, en fait. Donc c'est des complétions qui ont été faites par la machine en réalité. Donc nous entraînons la machine à prédire ou à décider de ce que doit être ce que la machine ne voit pas, de la même façon que nous le ferions. Par exemple, sur cette image ici, on montre à la machine ça et la machine décide que l'image entière, ça doit être ça. La machine n'a jamais vu une photo qui ressemble à ça. Jamais. C'est pareil pour toutes les autres, comme celle-ci, celle-là, etc. C'est des choses assez marrantes, mais ça, c'est des démonstrations... Mais la technologie sous-jacente, les modèles mathématiques qui sont derrière, fondamentalement, ont des implications qui sont beaucoup plus importantes que seulement ces applications-là. Alors, il y a un autre exemple ici, c'est vous pouvez par exemple lui montrer ça et puis lui dire à la machine de compléter l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça, mais récemment, il y a des gens qui font ça encore mieux. Voilà, des problèmes de complétion comme ça. Nous travaillons aussi sur des problèmes de planification. Donc, qui est aussi un autre aspect très important de l'intelligence, parce que en tant qu'être humain, une des choses que nous faisons de façon quotidienne, de façon quasi banale, c'est de planifier. Nous disons, je vais faire ceci, ensuite, après avoir fait cela, je peux faire cela. Nous arrivons à enchaîner les circonstances, à savoir qu'est-ce qui doit précéder quoi, etc., pour optimiser un but final, en fait. Donc, ça, c'est un autre challenge assez important sur lequel nous travaillons. Et pour travailler sur ce challenge, nous utilisons des environnements de simulation qui peuvent être par exemple des jeux de stratégie. Donc ici, ce que vous voyez, c'est StarCraft. Il y a des équipes ici à Paris notamment qui travaillent sur ce jeu-là qui est StarCraft, qui est un jeu très difficile parce qu'il demande de micromanager des troupes, de définir des stratégies pour vaincre un adversaire, etc. Et ça permet de faire évoluer les algorithmes et les modèles que nous entraînons et de tester leurs capacités. Donc, c'est fondamentalement, les techniques qui sont utilisées ici peuvent être réutilisées dans beaucoup d'applications comme des voitures autonomes ou comme d'autres jeux, par exemple, ou de la planification, ou etc. Dans beaucoup de jeux. Alors, ça, ce sont quatre piliers qui sont très importantes, mais ça ne vous dit pas tout. Un axe de recherche qui est très intéressant, auquel... nous nous intéressons de plus en plus, c'est celui de la créativité. Parce que nous pensons que les êtres humains sont intelligents, non pas seulement parce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont dotés de capacités de perception ou de raisonnement très importants, ou pas parce qu'ils peuvent raisonner et planifier ce qu'ils vont faire dans le futur, mais aussi parce que nous sommes dotés d'une certaine créativité. Alors, la créativité... Doter la machine d'une certaine créativité est beaucoup plus difficile que toutes les tâches que je vous ai prédites précédemment, mais c'est des choses auxquelles nous nous intéressons et sur lesquelles nous faisons des pas en avant. Donc, par exemple, en intelligence artificielle, récemment, on a vu des travaux
qui permettent de reproduire les styles de certains grands peintres. Donc, c'est des travaux qui peuvent être intéressants. Par exemple, vous pouvez avoir une photo comme ça, donc à gauche, et vous pouvez demander à l'intelligence artificielle qui a appris le style des grands maîtres, qu'est-ce que serait cette photo sous les pinceaux de Monet ou de Van Gogh, par exemple, ou de Cézanne, ou etc. Et donc, vous pouvez changer le style et avoir des éditions de vos photos qui sont différentes. Donc ça, ça permet de voir en fait qu'on peut, dans une certaine mesure, reproduire les capacités de création de certains individus, même si ce n'est pas encore parfait, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Et encore plus intéressant, en fait, c'est des modèles qui permettent de faire de l'art à partir de rien, en fait. Vous pouvez juste entraîner la machine pour qu'elle produise des toiles d'art abstrait. Et ça, c'est des toiles qui ont été produites par des machines, par exemple. La machine a été entraînée à produire ça. Et pas seulement des toiles, mais en fait, vous pouvez aussi l'entraîner à composer de la musique. Il me semble qu'il n'y a pas de son, mais normalement, il y a un audio de musique qui passe et qui est totalement composé par une machine. Donc voilà, ça c'est globalement, je vous ai présenté tous les sujets intéressants sur lesquels nous travaillons en ce moment. Il y en a beaucoup d'autres, on peut en discuter après. Mais voici un point dont j'aimerais vous parler avant qu'on ne... qu'on ne se sépare. Ça, c'est un cheval qui s'appelle Clever Hans. C'est un cheval qui était très, très populaire au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que son maître disait que ce cheval était intelligent, qu'il pouvait résoudre toutes sortes d'opérations arithmétiques, etc. Donc, il suffisait juste de lui dire 8 plus 3, et le cheval va taper du pied 11 fois, et tout le monde l'acclamait partout. Donc, son propriétaire était devenu très, très riche, parce qu'il l'amenait de foire en foire et tout le monde venait le voir, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur vienne et dise « Je pense que je sais ce que fait votre cheval. » Donc il a enfermé le cheval, il s'est enfermé avec le cheval dans une pièce sans son maître. Et les opérations arithmétiques que le cheval réussissait généralement très très bien, il ne les réussissait plus. En fait, ce qui se passait en vérité, c'est que ce cheval-là, quand le maître lui disait une opération d'addition par exemple, il tapait du pied, il regardait le maître jusqu'à ce que le maître sourit et il s'arrêtait de taper du pied et tout le monde applaudissait. Et donc, la raison pour laquelle je vous parle de ça, en fait, c'est que ce cheval n'était pas intelligent. Il ne l'est pas plus que la plupart des modèles et des applications et des logiciels qui vous sont présentés tous les jours aujourd'hui par différentes organisations et qui vous disent que ceci est de l'intelligence artificielle. En réalité, vous voyez beaucoup de clever hands et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un peu comme du sexe chez les adolescents, parce que tout le monde dit que tout le monde en fait, personne ne sait qui en fait, mais tout le monde prétend. Enfin, bref. Donc il faut faire très attention à tout ça. Bon, je serai au stand avec mon collègue Neil. Je vous remercie de votre attention, merci beaucoup. Donc merci à tous, merci aux intervenants et merci surtout à vous d'avoir passé cette matinée avec nous. Donc comme on l'a vu, il y a plein de produits sur la plateforme Facebook que vous pouvez utiliser dès maintenant. Évidemment, on est avide d'avoir vos feedbacks sur la session d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à scanner le code Messenger qui est sur votre badge et ça vous permettra en plus d'avoir un petit cadeau avant de partir aujourd'hui. On va être disponible, tous les gens de chez Facebook, ici en bas, pendant une heure et demie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser toutes les questions que vous avez sur chacun de ces produits, chacune de ces initiatives qu'on vous a exposées ce matin. Et venez boire un café, vous réchauffer, il fait un petit peu froid aujourd'hui dans la salle. Donc on vous attend en bas avec impatience. Merci à tous et à tout de suite.